16. Peggy 16. Ici pour la soirée spéciale Dead or Alive 6. C'est un bonheur d'être présent en compagnie de la communauté de Dead or Alive, Impact et Bonus, alias Alucard. Comment vous allez, les gars? Non, on va bien. Ça va très bien. Ça va bien. Ouais, tranquille. Prêt à tout nous expliquer sur Dead or Alive? Ouais, on va essayer. Hein. On veut tout savoir sur le jeu. Genius, le grand Genius, est avec nous aussi ce soir. Comment ça Bonjour, va? Bonjour, Genius. Grand fan de la licence aussi Dead or Alive. J'ai un John Lee. Tu as un John Lee. J'ai un John Lee. Et j'apprends qu'avant pied, il y a Ultra derrière. Je viens d'apprendre ça dans le cadre. Il est impossible de jouer les persos masculins dans Dead or Alive. C'est un peu tendu. Une faute absolument grave ici. Durant cette soirée, nous allons retracer un peu l'histoire de Dead or Alive pour voir d'où vient la série exactement, ce que la série évidemment a apporté au jeu de combat. Avec Bonus et Impact, nous reviendrons sur le contenu du jeu ainsi que sur le tuto, comment bien démarrer Dead or Alive 6, comment appréhender le nouveau système de jeu. Il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport au 5. Hein. D'ailleurs, lui aussi a été disponible en free-to-play à la fin de sa vie. Plus de 12 millions de téléchargements, hein, d'ailleurs, cartonné, pour le jeu. Cartonné. Même assez phénoménal, ce qui faisait d'ailleurs un des jeux de combat
tournois les plus téléchargés de l'histoire. Et nous terminerons la soirée du coup avec des petits matchs d'affrontement où on pourra justement vous montrer en application tout ce que l'on vous a appris au cours de cette soirée au niveau des mécaniques de jeu. Il y aura aussi quelques astuces, comment optimiser votre grind à l'intérieur du jeu, puisque vous allez voir que vous allez pouvoir débloquer beaucoup, beaucoup de contenu dans le jeu lui-même. Et pour ça, eh bien, il va falloir optimiser un tout petit peu votre façon de jouer. On vous donnera un peu ces trucs et astuces. Ça, c'est cadeau pour bien démarrer DOA. Alors, messieurs, Dead or Alive, c'est une série qui date de 1997 en arcade, sortie sur Sega Model 2 avec le premier, là, le trailer. Voilà, même le point en plein écran. Hein. Mets-le-moi pas en plein écran parce que sinon, en plein écran, ça va faire saigner les yeux. On est en 97, les trailers, ils datent de match. C'est du 100p. On est en 144p, ça saigne. Oh là là. Est-ce que vous avez joué à Dead or Alive 1 déjà à la sortie en arcade ou ensuite sur les adaptations Saturn ou PlayStation? Moi j'avais testé sur Saturn à l'époque. Et voilà, version Saturn qui était la version la plus proche de la version arcade, ouais, d'ailleurs. Ouais. Et c'était. À l'époque c'était très très proche de VF en fait. C'est vraiment le. Je veux dire, c'est l'héritier spirituel de Virtua Fighter. Ah, c'est, oui, ça oui. Essaye de se rapprocher beaucoup de Virtua Fighter, c'est... là où Tekken s'en est beaucoup éloigné tout de même dans le jeu de combat 3D. Exactement, c'était vraiment. Le premier, c'est vraiment très très proche de VF. Et ils se sont éloignés du truc un peu avec DOA 2, DOA yes. Plus aussi, qui a commencé à faire des différences. Quoi. Moi moi, j'ai pas de chewing-gum en régie, hein, je suis désolé. C'est un piercing, moi. C'est toi qui as un chewing-gum. C'est toi qui as un chewing-gum. C'est un chewing-gum. Tiens, regarde, il y a une petite serviette. Attends, je vais manger. N'hésite pas, on va t'installer tranquillement. Ouais. Donc Dead or Alive, le premier du nom, du coup, a connu un portage sur Saturn qui est quasiment parfait. Et ensuite, une version PlayStation qui était très éloignée du système de base, donc qui était quand même pas mal différente, hein, la version PlayStation, et qui aura, du coup... un portage en arcade un peu après sur le nom DOA++, sur un dérivé de la carte arcade ZN1. Je ne vais pas vous faire un remake, mais en gros, c'est la carte qui servait pour faire la série des Street Fighter EX Plus Alpha et les Tetris Grandmaster aussi, une carte beaucoup utilisée par Rika. Et on arrive en 1999 avec Dead or Alive 2, où vraiment le jeu là prend un peu plus tout son essence, son envol et a une véritable identité à lui. Sorti sur Dreamcast, d'ailleurs, sur Dreamcast, juste après. Il faut savoir que le jeu est sorti sur Dreamcast très tard au Japon, puisque ne voulait pas faire concurrence à la version arcade. Du coup, le jeu est sorti avant aux US sur Dreamcast et ensuite après, beaucoup plus tard, au Japon. Et surtout, le jeu a connu une adaptation sur PS2. Il me semble, juste après, un peu plus rapide avec le DOA Hardcore, notamment, qui complétait le jeu. DOA 2, c'est celui qu'on a quasiment tous connu, non? Oui, c'est le grand DOA, c'est le Tekken 3 de DOA. C'est complètement le Tekken 3 de DOA. C'est DOA qui avait en présentation à la FNAC. Tu sais, avec le Dreamcast, dès qu'il était sorti, il était sur toutes les présentations, il était ouf, déjà graphiquement. Déjà, on a eu une claque avec, je me rappelle, Soul Calibur, mais DOA quand même, quand il est sorti. DOA 2, franchement, c'est au niveau de Soul Calibur. C'était magnifique. Vraiment, c'est la Naomi, Naomi ou Dreamcast, c'est vraiment des supports qui étaient très très proches. On est quand même en 99, deux ans après, mais c'est vrai que l'évolution en deux ans, c'est assez ouf. Et d'un point de vue gameplay, du coup, où DOA 2 s'écarte de Virtua Fighter? Donc en fait, c'est vraiment la triangulaire qui va être la base du jeu. De DOA. De DOA, avec les chops qui battent les contres qui battent les coups, les coups qui battent les chops. On va bien vous détailler ça, vous allez voir. Et c'est devenu vraiment central. Et le Critical Stun, qui est une sorte de moment où on guesse, en fait, un petit peu, qui est assez unique à DOA, qui se rapproche un peu des situations de Killer Instinct. Où l'adversaire, même s'il est stun entre guillemets, donc, étourdi comme ça, il peut... a quand même une riposte possible. Voilà, exactement, avec quatre niveaux d'auteur. Etc. C'est ça. Avec du choix. Avec des choix, oui. C'est un jeu, il me semble, qui a complexifié énormément ce système de contre. Je crois que c'était un des jeux les plus durs du monde au niveau du système de contre, où le système de hold avait 8 variations différentes, en fait, une variation pour chaque tic d'attaque. Alors, high, mid, low, punch, high, mid, low, kick. C'est ça. Oui, ça. C'était très difficile de contrer des coups dans ce jeu. Il fallait connaître par cœur. Et en plus,
sur la version arcade. Alors sur la version console, ils avaient simplifié ça. Oui, ils étaient revenus à une simplification sur la version console. Mais sur la version arcade, il fallait faire déjà deux directions pour faire un contre au lieu d'une seule. Parce qu'en fait, justement, il fallait différencier les poings et les pieds. Et du coup, c'était quand même super dur d'être bien consistant là-dessus. Donc sur console, ça prenait la même... Tu faisais arrière et bouton et ça prenait les deux. Sur la console, ils avaient beaucoup simplifié. Mais imaginez, hein, sur un type de coup, c'était un high, un mid ou un low. Et s'ils étaient un point, un pied, vous deviez choisir faire avant, diagonale arrière ou avant-avant ou arrière-arrière ou diagonale bas arrière avant d'appuyer sur le bouton de contre. Enfin, je veux dire, fallait tellement lire l'avenir pour faire un contre. De tous les jeux de combat, c'est le jeu le plus développé au niveau des contres. On n'a jamais eu un jeu comme ça. La version arcade, c'est vraiment trop dur. Mais c'était tellement dur que les contres étaient devenus vraiment faibles dans la triangulaire. Du coup, donc on va vous expliquer. Ils sont revenus à une simplification. Et on va voir du coup dans DOA6, justement, pour arriver à une simplification en 4 routes possibles. En 3 routes possibles en fonction du niveau que vous choisissez. Puis il y a eu l'ère Xbox. Du coup, DOA s'est rapproché de Microsoft et a sorti du coup les deux épisodes en 2001, DOA 3 et DOA 4 en 2005, sur respectivement la première Xbox et sur la Xbox 360. Pourquoi ce passage à la Xbox à l'époque de la part de la Team Ninja ? En fait, ils voulaient faire les jeux les plus beaux du marché, nécessairement. Ah ouais. Et c'était les machines les plus puissantes. Et donc l'ancien producteur Itagaki, il avait vraiment cette volonté de faire les jeux étaient beaux, hein. Les jeux les plus beaux possibles. DOA 3 sur Xbox première du nom, mon gars. Moi j'ai dosé des nuits, il faut pas oublier que c'est aussi, on avait pas aussi de jouer en live avec la première Xbox, le premier Xbox Live, c'était fou, ça tournait. Je me rappelle, tu dis en 2005, ça tournait, mais de fou. Ça c'est DOA 3, hein, vous voyez là. DOA 3, ça tournait de fou. Et je me rappelle les premiers tournois avec notamment Perfect Legends, tout ça, où ils jouaient sur Xbox à l'époque aux États-Unis, c'était ça. C'était sur DOA Ultimate après qu'ils ont lancé le premier Netcode. C'est exactement ça. Une fois, vous vous rendez compte, cinématique DOA 3, on est en 2001, deux ans après DOA 2. C'est propre, hein. Mais DOA, c'est méga propre. C'est méga propre, mon gars. Franchement, un truc de fou. Enfin, c'est vraiment, vraiment assez hallucinant. À DOA 4, du coup, évolution sur Xbox 360, encore une exclusivité, hein, DOA 4 de la Xbox 360. 22 persos, donc 5 à débloquer. Donc, on a quand même un rooster qui commence à être vraiment assez solide. Et arrive, du coup, l'ère, à la fin de la Xbox 360, de Dead or Alive 5. Alors Dead or Alive 5, c'est probablement le Dead or Alive peut-être. Alors je sais pas, c'est... Moi je dirais que c'est le plus connu, puisque c'est celui qui a connu la plus grande espérance de vie. Ouais, puisqu'à arriver à la fin de l'ère PS3, il a connu deux révisions. Donc avec la version... c'est ça, exactement. Avec la version Ultimate et la version Last Round, qui ont rajouté énormément de persos. Mais surtout, c'est le Dead or Alive qui a intégré tous les persos de Virtua Fighter, licence, va dire, qui a inspiré Dead or Alive. Virtua Fighter qui n'a plus rien fait depuis Virtua Fighter 5 Final Showdown. Et du coup, on retrouvait Akira, on retrouvait Sarah, on retrouvait Pei, mais on retrouvait après d'autres... Il y avait Jackie aussi. Il y avait Jackie ensuite qui est arrivé en DLC après. Qui Mai. Et Mai qui est arrivé ensuite après. Donc c'était assez fou de revoir tous les personnages de VR intérieur. Oui. C'était quelle année déjà celui-là ? Sorti en 2013, il me semble. 2012-2013. 2012, hein, c'est Dora Live 5. Ouais. Mais ensuite, après, il a connu l'Ultimate en 2013 et le Last Round en 2014. C'est un jeu qui est vraiment gavé de contenu avec beaucoup de DLC, notamment. Énormément de DLC costumes, plus 10 packs de costumes à l'intérieur. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un des plus gros revenus en Asie. Il y a 1500 euros de DLC dans le jeu. Mais le jeu. Enfin, rejoint en tout cas toute la ligne des jeux de la Team Ninja et de Tecmo Koei, à savoir bien la licence des Dead or Alive Extreme, les Ninja Gaiden aussi. Et on retrouve un peu, enfin, on a un moyen, si on kiffe ces licences, de retrouver à chaque fois tous les costumes de tous ces jeux à l'intérieur. Donc c'est évidemment aussi un jeu qui est devenu très cosmétique avec Dead or Alive 5, sachant que déjà, dans le premier Dead or Alive, c'était un des rares jeux à posséder des costumes alternatifs pour les persos débloquables à l'intérieur du jeu. Donc c'était quand même assez fou. Il a connu aussi une version Vita, on peut en parler rapidement, et un portage donc sur PS4 et Xbox One et PC enfin, et une version free to play. Le contenu de, enfin franchement, de Dead or Alive 5, il est malade quand même. Ah oui, ils ont vraiment soutenu le jeu. En plus, ils avaient essayé au bout de 2 ans de faire une sorte de mini pro tour qu'ils appelaient Battle Royale. Yes. Où ils ont fait des événements et au Japon et aux États-Unis.
On avait des qualifications en France aussi. La ROF. Ouais, avec la ROF. Mais du coup, c'était jamais sans négliger le gameplay. On voit les interactions avec le décor qui est arrivé. Mmh. On en a des relives, on a toujours eu soit des décors plats. Ils ont essayé, comme Virtua Fighter, de mettre des décors, tu sais, avec un peu de relief aussi à certains moments. Il y a eu plein d'essais, les changements de stage, etc. Voilà, il y a eu beaucoup de mécaniques qui se sont implémentées au fur et à mesure de des relives. Vous allez voir que le core gameplay, lui, n'a pas changé, c'est-à-dire cette fameuse triangulaire qu'on va vous expliquer n'a pas changé, mais qu'au fur et à mesure des épisodes, eh bien, il y a eu des choses qui se sont ajoutées. Système de tag aussi, des modes de jeu en tag aussi dans Dead or Alive 5 qui était présent justement ici. En gros, en fin de vie, c'est vraiment un jeu qui était très, très, très complet. Et nous arrivons du coup aujourd'hui à la sortie du nouvel épisode Dead or Alive 6, messieurs. Est enfin disponible. Bravo les gars. Vous avez attendu. De 2013. Ça fait 6 ans, 7 ans. Ouais, 2013, 6 ans. 6 ans, 7 ans. La durée de vie de Dead or Alive 5, elle est quand même assez maboule, je trouve. Hein. Quand même assez beau. Et le jeu, nous l'avons. Il est ici. On peut vous le montrer en totalité avec sa version définitive. Alors, c'est une version physique qu'on a du jeu. Donc, on n'aura pas les deux persos de précommande qui sont Phase 4 et Yutengu, c'est ça. Mais on a, tout le reste, on va pouvoir vous montrer un tout petit peu ce qui l'en est. Donc, je sais pas si vous avez dosé, t'as dosé un peu, Genius, les phases bêta du jeu. Le 6, non, j'ai dosé le jeu l'année dernière à l'Evo. Oui, c'est vrai, t'es déjà présent. J'ai beaucoup joué, on était allé. Je me rappelle avec toi, et puis j'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai vu ce week-end aussi, il y avait le 3D Winter Ball avec les premiers champions, même si c'était pas les meilleurs joueurs américains, mais j'ai pas joué, j'attendais ce soir. Bon, je vais vous laisser jouer, mais évidemment tester. Bon, tu pourras jouer, Genius, hein. Tu sais, regarder un stick est tout près, il t'attend. Magnifique ton stick, car il est vraiment superbe. Très très beau, hein. Ouais, magnifique. Et du coup, donc, le contenu de ce jeu, on va passer un peu en revue tout ça. Donc déjà, il faut savoir que si on est un tout petit peu... qui c'est qui est player 1, là, du coup? Je vous invite à poser du coup vos sticks sur les genoux pour bouger parce que je vais pas pouvoir bouger à distance. C'est lequel JVTV. Hop, on a le système de connexion sur PS4. Donc je précise qu'on est quand même sur PS4 Pro, le jeu qui est optimisé d'ailleurs pour la PS4 pour la PS4 Pro et pour la One X. On a donc un mode histoire qui va donc comporter évidemment l'histoire de ce nouveau DOA. Alors, est-ce qu'on connaît un peu le pitch de l'histoire globalement? Pourquoi ce sixième tournoi Dead or Alive? C'est la suite directe du 5 qui se finissait pas vraiment en fait avec toujours la DOA Tech et les ninjas qui se modifie. Oui, donc on rappelle, à la base, l'histoire de DOA, c'est l'histoire d'un clan ninja dont Kazumi est l'héritière, c'est ça. Mais elle ne veut pas devenir l'héritière du clan ninja parce qu'elle veut chercher son frère qui est porté disparu. Et au final, au fil de l'aventure, il va lui arriver plus d'une histoire. Plus d'histoire, c'est ça. C'est ça, donc... Bon, c'est difficile à résumer rapidement, mais globalement, il y a ce qu'ils appellent la DOA Tech, qui sont les méchants qui clonent les ninjas parce que c'est comme des Saiyans, des super guerriers, quoi. Et du coup, les ninjas qui veulent pas et qui se pètent la gueule. Il n'y a pas plus simple, les gars, rentrer là-dedans. C'est ça, les gars. Bien sûr. Attendez. Mais c'est ça qu'on veut, les scénarios de jeux de combat, c'est ça qu'on veut. Après, ce qui est bien, c'est que dans l'histoire, là, ils ont retravaillé un peu et ils ont fait en sorte qu'on parle aussi des anciens Dead or Alive, pas que du 5. Ah, cool. Du coup, on a aussi un petit background par rapport à Dead or Alive 2. On rappelle que tous les Dead or Alive se suivent bien et sont dans l'ordre chronologique. Il n'y a pas de préquel, séquel, machin. Chaque fois, tu as l'ordre chronologique de Dead or Alive. Justement, là, ils ont mis les résumés des histoires. Et bien, justement, on peut montrer ça juste ici à l'écran. Donc, dans la bibliothèque, vous avez ici le résumé des histoires. Donc, on voit un système de monnaie in-game en haut qui va nous servir à notamment avoir pas mal de trucs. Donc là, on voit un rapport officiel Onoka, voilà, âgé de 18 ans, machin. Vous avez à chaque fois un petit résumé de chaque joueur et on va débloquer tout un tas de trophées en plus en même temps. Donc globalement, l'encyclopédie DOA va vous résumer en tout cas tout ce qu'il y a à savoir sur DOA. Mais on n'a pas que ça, hein. Le jeu est gavé de contenu en plus, avec notamment à la fois la possibilité de sélectionner à peu près toutes les musiques de l'histoire de DOA et de les débloquer. Évidemment,
les tenues, parce qu'il y a beaucoup de customisation à l'intérieur de DOA. Mmh. On a en gros ce mode encyclopédie qui est assez complet. On peut faire retour justement là. Est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est les mêmes contenus et possibilités sur Steam? Parce que je rappelle, le jeu sort aussi sur Steam. Yes. Tout est pareil. Ça c'est bien. Yes. Donc là, vous avez à la fois le mode cinéma qui va remettre toutes les cinématiques, le mode musique qui permet de paramétrer toutes les musiques du jeu, la base de données qui va vous donner vos résultats, non? C'est ça? C'est votre base de données à vous, c'est ça? C'est ça, votre nom, le nombre de victoires que vous avez, le nombre de. Le temps de jeu total que vous avez eu, etc. Je suis à 100% de ratio de victoire. Hein. Regardez, 8 victoires avec Ryu Hayabusa. Qu'est-ce que je suis fort. C'est absolument incroyable. Tu as 100% de victoire. 100% de victoire. Écoutez, on est un chef, on ne l'est pas. Ah, c'est beau. On a voilà, les top tendances, etc. On peut aller voir énormément de paramètres là-dessus. Et le dernier menu que l'on a du coup à l'intérieur de cette base de données, c'est les tenues. Donc juste, on va regarder un tout petit peu cette histoire de tenues. C'est important. Donc vous voyez ici tous les persos du jeu, on va vous les montrer, on va vous détailler, on va essayer de jouer le maximum de persos justement ici. Donc de base, vous avez la tenue de base, mais il y a énormément de tenues à débloquer, je le rappelle, avec la monnaie in-game. Donc c'est développé en jouant au jeu. Vous avez beaucoup de tenues à débloquer en jouant au jeu, donc on le voit ici, hein, les tenues de Kasumi. C'est pas un pay to win, justement. Hein, on rappelle. Non, pour débloquer la tenue classique, évidemment, elle est ici. Il va falloir 1000 de monnaie. Voilà. En fait, là, c'est plus des. En fait, là, c'est des parts. En fait, vous avez, les costumes, ils ont 200 de parts. 1000 éléments, c'est ça. 1000 éléments de parts. C'est ça. Et en fait, soit en DOA Quest, on peut avoir des parties de ces éléments, mais aussi on peut les avoir en ranked. En classé? Ouais. Ok, donc un peu comme Virtua Fighter, on va débloquer des parties de costumes, du coup, en faisant du classé ou en allant faire les quêtes solo. Voilà, donc il y a déjà pas mal de costumes de base dans le jeu. Ce qui est bien, c'est que vous avez un visuel de tous les costumes DLC qui sont disponibles dans le jeu. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans le store ou je sais pas quoi pour aller chercher votre costume ou machin. Vous pouvez voir déjà visuellement ce que ça donne ici et essayer de focus. Voilà, on peut sortir du coup. Donc les aspects cosmétiques s'arrêtent pas à là. On peut changer la coupe de cheveux, on peut mettre des lunettes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects cosmétiques. C'est des Dora Live, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans ce cast. Voilà, tu vois, si t'as 5000, tu peux mettre des. Tu peux mettre que le cheval sur le côté si tu veux de Kasumi. C'est tout. Voilà, comme ça. Tu peux tourner le perso. Peut-être avec le stick. Peut-être avec le. Si tu fais ça, tu dépenses les 5000 direct pour une queue de cheval. Ouais, c'est quand même. C'est beau. C'est difficile. Regardez la monnaie, même si vous allez voir que la monnaie se fait assez rapidement. Si vous voulez débuter le jeu, on va repartir au menu. Ce qui est vraiment très très bien. On va vous le faire nous ici, mais que vous avez le mode entraînement ici, donc on va vous le détailler, il est très détaillé. Mais vous avez un tutoriel complet du jeu qui va tout vous expliquer. Nous on va vous le faire en live ce tutoriel, parce que évidemment ça sera beaucoup plus agréable en français et avec les vrais termes, entre guillemets, il y a pas avec les traductions françaises. Est-ce qu'il y a obligatoire, évidemment. Vous avez l'entraînement aux commandes, mais surtout, vous avez les défis combos. Donc, chaque perso a 20 défis combos qui sont très complets, qui vous montrent vraiment l'essentiel des routes dans toutes les position possible, que vous soyez près du mur, pas près du mur, si vous êtes commencé de loin, si vous commencez sur un contre, sur un coup qui stun beaucoup, sur un coup qui stun pas beaucoup, quelle est, on va dire, la route à utiliser pour faire un combo. On va vous expliquer ici que parfois c'est pas mal de terminer sur certains types de coups, les combos justement pour pouvoir favoriser l'avantage de l'attaque, donc ça. Et vous allez voir, l'entraînement est très très complet. Le mode combat, donc, il va servir évidemment au combat locaux en versus le mode arcade, le mode contrairement au mode survie, très classique dans les jeux de combat. Si vous intéressez, c'est le mode quête. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu le mode quête? Tu sembles bien connaître Impact, ce mode quête. Bon, en fait, c'est un mode assez simple. Il y a trois défis à faire pendant le combat. Ok. Donc, ils vont nous donner un perso. Là, par exemple, c'est Kasumi. Ils vont nous donner un perso. On aura des règles à suivre. Donc là, par exemple, il faut juste terminer la quête. Faire 35 dégâts en un seul combo et exécuter une attaque au sol. Vas-y, je pense que bonus, toi, celui-là, il est pour toi. Ouais. Je sens qu'il est pour toi. C'est chaud, mais... Ouais, c'est ça. Si on ne réussit pas les trois quêtes, on n'a pas la partie, justement, d'éléments pour le costume. Donc ça, ça débloque des parties d'éléments de costume, mais ça donne aussi de la monnaie in-game. Ça donne aussi de la monnaie in-game, oui. Ok. Il faut forcément faire les trois objectifs ou si t'en fais deux, quand même, tu débloques une partie. Si t'en fais que deux, tu débloqueras pas Il faut faire les trois, forcément. Faire les trois. D'accord. Pour toi. Donc là, vous allez pouvoir voir un peu visuellement le jeu. Il est quand même ultra magnifique. Hein. Franchement, enfin, je trouve le jeu très très beau. Alors, on garde par contre les animations de DOA
un peu, j'ai pas envie de dire d'époque, mais évidemment les stances sont très accroupis, les déplacements sont très accroupis, mais tout ça est évidemment quelque chose qui participe au gameplay. On garde, comme dans DOA5, la salissure des persos, on a même des destructions, je crois, partielles de costumes. Voilà, donc c'est essentiel dans DOA. On a des stages très différents, puisque certains évidemment ont des murs proches et les murs sont importants dans le jeu. Certains ont peu de murs, certains ont des PNJ ou des interactions du coup avec le décor, comme dans DOA5, il me semble, il y en avait aussi dans DOA5 ou pas? C'était pas exactement pareil. Ouais, c'était différent. En fait, c'était plus des murs qui faisaient des dégâts, ouais, ou ça, des sols qui ont relaunché. Alors que là, c'est vraiment une interaction directe, parce qu'en fait, il y a différents niveaux de stun sur les murs. Et aussi différentes personnes qui peuvent interagir avec nous selon le stage. Ça peut être quelqu'un qui nous repousse, ça peut être une caisse cassée, ça peut être une voiture qui explose. Donc là, les voix sont japonais. Vous avez aussi la possibilité de mettre voix anglaise ou voix japonaise, comme vous voulez. Par perso de base. Non, alors, j'ai non, pas c'est vu c'est par perso. Non, c'est pour le moment, c'est soit full jap, soit. On voit les destructions, les destructions de fringues avec la. La mini-scénarisation en fin de match, avec même la transpiration. Hein. On sait qu'ils ont beaucoup travaillé sur les déformements. Ouais. Enfin, du visage quand tu tapes. Ouais, c'est ça. Ouais. Les visages déformés, la transpiration. Vraiment, on veut sentir l'impact des personnages à l'intérieur du combat. Donc, on voit ça, c'est les premières missions. Ouais, c'est des missions assez simples. Tu as roulé sur le CPU. On voit que sur PS4 Pro, en tout cas. Le jeu est assez beau et il est encore plus sur PC. Je pense que c'est la révolution. La sueur PC. Si tu veux voir ça. Donc voilà. Donc on est d'accord qu'il va falloir débloquer les costumes dans le jeu. Il va falloir optimiser sa fight money. Globalement, comment on fait quand on commence DOA? Est-ce que c'est mieux de faire l'histoire, le mode quête? Est-ce que on va directement en ligne? Faire des combats, comment est-ce qu'on optimise un tout petit peu les gains? Alors ce qui est bien de faire, je pense, c'est commencer par le quest. Quest, d'accord. Parce que ça donne pas mal, et en plus, quand il y a certaines missions qui demandent des choses particulières, ça envoie direct vers le tutoriel. On appuie sur triangle, et ça nous propose de faire la partie du tutoriel qui est liée à la mission. Donc t'apprends le jeu en faisant t'apprends le jeu en même temps, que tu récupères des tenues. Mais c'est cool ça. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est pas mal. Et sinon après c'est en ligne, on joue en ligne pour récupérer des parties. Classé. D'accord, c'est combien une victoire en ligne d'ailleurs justement, en fait, il y a quelques jours c'était une seule partie, donc 1 sur 200 qu'on gagnait 3. Une victoire. Non, c'était 1. C'était 1. C'était 1, dès qu'on prenait une victoire c'était 1. 1. D'accord, mais là maintenant avec y a une mise à jour, ils ont fait en sorte qu'on joue beaucoup en ranking. Oui. Et en fait maintenant c'est 23. Ah oui quand même. Donc c'est quand même, ça rajoute beaucoup. Donc si on spamme le ranking, il y a même moyen d'aller, comme on disait peut-être tout à l'heure, plus vite que sur en quête DOA, si t'as vraiment envie de faire les quêtes DOA. Mais il faut gagner en ranking quand même. Ça donne quand même un petit peu. Mais même si tu perds, ça donne un peu. Ça donne un peu, mais j'ai plus. D'accord, donne plus les chiffres. Bon, ça, c'est globalement les choses que je conseille vraiment à vous de faire au début, puisque plus les jeux vont grandir, plus ce sera difficile d'aller chercher ce contenu, la fight money. On voit certains autres jeux où c'est quasiment devenu impossible. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est très important, c'est qu'une grande partie du contenu, du coup, en DLC du jeu est débloquable dans ce mode, enfin dans ces modes-là. Donc évidemment, les DLC peuvent vous permettre de débloquer tout d'un coup sans avoir à jouer. Mais si vous faites juste les quêtes solo, vous faites les quêtes DOA, vous allez pouvoir débloquer énormément de contenu de beaucoup de persos. Oui, il y a beaucoup de contenu. Donc évidemment, focussez ça et pensez les DLC plus pour ajouter des persos et surtout des persos à l'unité. Oui. Croyez-moi, vous allez faire. Est-ce qu'il y a déjà le classement en ligne? Oui. Est-ce que tu as déjà? En fait, il n'y a pas de tableau de classement. Ah, il n'y a pas de tableau de classement. Ce qui se passe, c'est que quand tu. Vas-y, fais voir. On peut regarder normalement. Tu peux voir sur ton perso ce que tu as fait comme combat. Mais en fait, c'est des tables de rank. Donc, tu peux être dans une table, je ne sais pas jusqu'à combien, mais il y a par exemple des tables de rank 1. On peut être plusieurs dans cette table-là. Et en général, tu. Rencontre des gens de ta table. De ton grade. C'est genre par division. C'est par division, d'accord, très bien. Donc là, oui, c'est le mode en ligne évidemment, qualité de connexion toute. Donc on fait. Alors je sais pas si on est connecté au câble, je crois qu'on est connecté en ligne. On testera le mode en ligne juste après, mais tu me dis.
tu me disais un pack, mais j'espère juste qu'on a la bonne connexion. Hein. Je voudrais pas en aller alors qu'on est en NAT 3 et qu'on n'est pas. Surtout ouais. qu'il y a, y a une option, c'est on Wi-Fi. Wi-Fi Warrior. Wi-Fi donc, en fait, Warrior. Ouais. On peut choisir si on joue contre un Wi-Fi ou contre quelqu'un. Sérieux qui a pas la... En fait, c'est parfait, ça. On voit le marqué. Type, ouais, on voit le type de connexion. Il y a deux logos différents en fait. Ça c'est révolution. Le mec qui joue en Ukraine en 2K, tu vois, ça c'est fini. Parle bien des connexions ukrainiennes. Parle bien. Mais tu me disais une pack que tu jouais avec les États-Unis au jeu en ligne et zéro souci. Pas de, j'ai quoi vraiment de chez aucun toi problème. Ouais, de chez moi. Mais t'habites à Las Vegas. Non, mais encore hier, j'ai contre Excalibur BZ parce que j'ai le jeu depuis un petit moment et du coup, bah, on n'est pas beaucoup sur le ladder là. Et je l'ai rencontré et effectivement. La fibre. J'ai zéro lag. Ouais, j'ai la fibre. Ouais. Putain, merci, la fibre, effectivement. Merci aux phases bêta. Dans les phases bêta, le mode en ligne qui était déjà pas mal rodé. Vraiment... Là, vraiment, le jeu en ligne, il est vraiment, vraiment, ah, vraiment bien. Avec le netcode, il est fou, quoi. C'est vraiment bien. Putain, c'est incroyable. Le netcode est vraiment bon. Et ça c'est un... Je dois vous avouer que quand un jeu a un jeu de baston, surtout, un mode en ligne où le netcode, il est rodé. Tu peux déjà mettre 4 points de plus, tu vois, sur la note, déjà, parce que c'est quand même ce qu'on va faire les 3 quarts du temps. Le premier jour surtout. Exactement, et le premier jour c'est très important. Allez, on va aller dans le mode entraînement du coup, et on va parler évidemment du jeu en entraînement libre. Ouais, on va commencer entraînement libre. On ira montrer quelques défis combos ensuite après pour voir un peu l'arbre des combos. Donc est-ce que tu peux nous présenter un peu tous les personnages? Vous pouvez nous présenter un peu tous les personnages disponibles juste ici et d'où ils viennent exactement? Donc Bayman... On va commencer par lui. Il y a le producteur, chaque fois qu'il fait une interview, il est déguisé. Ouais, ouais, il est déguisé en Bayman, c'est ça. C'est censé être un mercenaire, machin. Il vient de DOA 2, je crois. Ou DOA, je ne sais plus. C'est plutôt un chopper, on va dire. Ouais, alors on le voit ici. Donc vous avez vu les statistiques sous le nom du perso. Prise. Coup, il a... projection. Alors attention, un coup, projection, prise. Donc le coup c'est la puissance de sa frappe, projection c'est les contres ou les chopes, les projections? Ouais, non, c'est les chopes et les prises c'est les contres. Et les prises c'est les contres, exactement. Voilà. Ensuite bon, puissance, vitesse, vous voyez exactement ce que ça veut dire, et le poids c'est ça va speed. Ça va impacter la hauteur des launchers. Ça va impacter la hauteur des launchers et l'efficacité des launchers, le poids. C'est ça. Donc ces stats, vous pouvez vraiment vous y référer. C'est pas les stats bullshit d'autres jeux où t'as les gars avec tes préférences. Qui veulent rien dire. C'est quand tu regardes les bouquins de Dragon Ball où t'as les puissances. Les stats en PES. Exactement ça. Vraiment, ça va vous dire immédiatement si le perso c'est un chopper, c'est un contreur, c'est un bourreur. Voilà. Vous allez tout de suite le voir à partir de là. Et donc, on a qui? On a la Luca Lore. Mariposa. Donc, ouais, donc ça pareil, c'est un perso plutôt autour des shops, quoi. Et bien complet, hein. Tu vois les. Ouais, super complet. Les stats. Oui, c'est un perso qui est complet, qui met beaucoup de pression. Il se joue de face ou de dos à la deux commandistes, entre guillemets. Et donc, voilà, c'est plutôt de l'embrouille, quand même, pas mal. C'est vrai. Un perso mix-up. C'est vrai. Ouais, voilà, tout un perso mix-up. D'accord. Et beaucoup de zoning. Beaucoup de zoning. L'américaine Tina. Donc, Tina, c'est plutôt le perso qui fait mal, déjà. Elle te détruit. Chopeuse aussi, un peu. Ouais, voilà, c'est complètement une chopeuse, avec d'énormes dégâts. En fait, elle est un peu plus lente que les autres persos, mais quand ça touche, ça... Ça fait extrêmement mal. Elle est stylée, elle a le badge The Muscle sur la ceinture. C'est garanti. J'adore ce perso, la Mila. Mila, donc le perso de MMA, qui est pas mal sur sur le jeu au sol et pareil sur elle tape fort quand même. Un bouti, hein. C'est un bouti. Complètement. Je valide mon main. Donc Christy, depuis le 1. Anglaise Christy, comme ça, aussi classe. Le col roulé. Le col roulé, c'est ça. Je craque, franchement. Et Emma Thompson du jeu. Ah oui. C'est tellement ça. Donc ça fait partie des persos les plus rapides du jeu. Ouais. Donc ces persos mix-up, pressing. Tac, 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 tac. Exactement. Mantis attack fait très très mal, le perso. Ouais, le perso est... Elle embrouille beaucoup, elle a une stance où elle passe sur le côté et elle est baissée. Exactement. Super efficace pour éviter les bourreurs de bad punch ou de punch. C'est ça. Très efficace. L'énergumène, Raidou. Donc c'était le boss du DOA 1, d'ailleurs. C'est ça. Et c'est plutôt un perso qui fait des dégâts, mais
de ce qu'on a testé pour l'instant, ça a l'air assez faible quand même. Pas fou. Ah ouais. Ouais, ça a l'air assez faible. Aïe. D'accord. Voilà. Mais on voit d'ailleurs, c'est super bizarre ça, son sa bon diagramme de stats, il y a puissance max, ouais, mais coup il est tout nul, projection il est tout nul. Le reste, c'est ça. Mais par contre sa puissance elle est là. C'est le mec qui a une puissance, mais il s'en sert pas. C'est ça. Alors on enchaîne vite sur le reste du cast du coup. Ayane on connaît maintenant. Ayane c'est Ninja qui embrouille. Ouais. Rig Taekwondo. Taekwondo. Perso de pressing. Oui. Qui est souvent positif en bloc, etc. Donc qui met la pression. Mon sub, basse, évidemment, parce qu'il faut quand même un bourreur de la shop. Exactement. Ça, c'est un peu le chopper du jeu. C'est ton T-Hawk. C'est pour toi. C'est pareil. Lui, sa spécificité, c'est qu'il a une chop au sol qui relève. Ah ouais! Et ah ouais. Du coup, il a un free mix-up à chaque fois. Du coup, tu mixes derrière, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, du coup, il a très fort dans celui-là. C'est magnifique. Et du coup, il a une chop launcher et il a. Voilà, donc. En projection. Une chop qui envoie en l'air, une chop qui récupère. Il a une chop dans les airs aussi, tu sais, il t'envoie en l'air, une chop dans les airs. Il y en a deux. Sa barre projection est pas mal. Merveilleux, merveilleux. Kokoro, trop mignon. Donc, Kokoro, c'est le perso qui fait le même art martial que Akira de VF. Ok, ah, ouais. Ah, c'est la remplaçante un peu d'Akira. Mmh, ouais. Elle fait l'art martial d'Akira, karaté pur. Ouais, c'est ça. Elle a le coup de cancel, le coup de Bagdage. Elle a des coups comme ça. C'est nouveau perso, c'est nouveau perso du coup. C'est de DOA 4. DOA 4. Il y a Zach, les gars. Zachos. Et ouais, c'est qu'est-ce que tu veux faire, Zach? Donc, funky DJ. Hein, le funky DJ. Funky DJ. Donc, un perso pour toi, Genius. Perso rapide. Perso rapide, mix-up, etc. Kasumi, c'est complet. La base. Ouais, c'est le perso. Ça, c'est. En Kasumi, on peut le dire, c'est un peu Ryu du jeu quand c'est même. Ça, ouais. Vraiment, c'est ça. Vous avez tout, les bases de tout. Vous pouvez jouer Kasumi. Yayate aussi, comme ça. Et Yayate aussi. Diego, un des nouveaux. C'est plutôt un power character, un perso qui fait mal, qui est très safe, souvent positif en bloc, etc. Mais zéro en contre. Mais zéro en contre. Ouais. Marie Rose, donc le perso, un des persos favoris au Japon. Suédois, on va être comme ça. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est bien connu, il y a beaucoup de Suédoises d'1m50. Bien sûr. Ça court les rues. Ça court les rues. Exactement, perso. C'est garanti. Donc c'est un perso qui est vachement basé sur les contres. Il y a des contres qui fait très mal. Ouais. Et la prise, elle a. Elle est Et perso évasif aussi. Ok. Ok, Elena, donc perso très évasif. La française, on respecte. La dresseuse, le cirque. C'est ça, qui a. La même stance que Shaoyu dans Tekken, elle se baisse. Elle est au ras du sol, ouais, comme c'est ça. Ah ouais, elle esquive plein de coups. Bon, Jamie. Les stats, par contre, le main. C'est un perso qui fait extrêmement mal. Ah. C'est son truc. Puissance, vitesse, coup. Il tape très vite et il fait très mal. Et après, en contre et en shop, il est pas. Il est pas fou. Il est pas fou, mais. Deux waifu ensuite. Les waifu, donc. Onoka. Onoka, c'est une sorte de melting pot, c'est un perso qui reprend des coups d'autres persos. Et bon, comme Dural un peu. Ouais, c'est ça. Elle a un système où elle reprend les stances de pas mal d'autres persos. Ah ouais. Et du coup, elle peut passer de certaines stances à d'autres. C'est assez technique alors comme perso. Elle a pas du tout de range. Et beaucoup de mix-up et pas mal de dégâts. Okay, et avec peu de portée, mais par contre beaucoup de variations, c'est bien. Le host un peu du jeu, quelque part. C'est le nouveau perso, l'un des deux nouveaux persos de la série. Le perso plutôt agressif. Quel style à peu près, c'est quoi? C'est censé être du. L'art martial qu'il y a dans le film The Raid, je me rappelle plus. Ah, c'est pas Wing Chun. Non, c'est pas Wing Chun. Non, The Raid. Il fait droite gauche, c'est peut-être marqué. Si c'est Penchak Silak. Penchak Silak, exactement. On a fait du Penchak. Et des éclairs aussi. On rajoute, hein. On rajoute. Toujours garanti. Ouais. Cheveux bleus égale éclair. C'est ça. Classique. Ayate, donc perso. Donc Ayate, ninja classique aussi. Complet. Itomi Karate. Alors, allemande? Allemande. Oui, allemande. Nani. C'est une allemande d'origine japonaise, en Allemagne. Mais d'ailleurs, c'est pour Nani. Alors, il y a le père ou la mère qui est japonais. Ah, quand même. D'accord. Donc, okay. Voilà. Donc le karaté. Donc le karaté. Parce que le karaté allemand, j'en ai entendu parler. Adolf Lundgren. C'est ça. Et donc voilà, perso, we finish, etc. Ensuite, on a Pai. Mais c'est Leifang en fait. Leifang, donc ça c'est le perso le défensif, le plus gros perso défensif du jeu, c'est un mur. C'est vraiment la meilleure contreuse du jeu probablement. Ouais. D'accord. Elle a plein de sabaki, les coups qu'il y avait dans VF qui contre dans le startup du coup. Ouais.
Donc elle a plein de coups comme ça, des coups évasifs, des paris, des contres, des... Enfin bon, voilà. C'est... Le maître du drunk kung-fu. Il est là, Brad. Brad Wong. Là... Une stance incroyable. Il est toujours hein. là. Mais un perso qui doit être très difficile à toucher, non ? Je sais pas, il est tellement... Mais sa stance, que tu le laisses juste bouger. Oui. Mais et... il parcourt un chemin hallucinant. C'est un perso qui a énormément de stance, énormément de coups. Ah. Et il a des stances selon ses positions, la position de son corps. C'est des stances différentes. S'il a la tête en avant ou la tête en arrière, c'est pas une stance. Il doit maîtriser du coup un peu. Ouais, il a plus de 200 coups. Je... Bon, c'est... Oh, plus de 200 coups oh, là, c'est... Ah là, moi, c'est pas les persos. Ça, c'est pas les persos pour moi. Il faut un billet et demi et ça fait mal. C'est pas pour moi. Donc, Elios. Donc, c'était l'élève de Genfu qui était présent dans les anciens DOA. Il reprend du coup son art martial. Ah oui, le vieux Genfu, ah, il a même son costume. Exactement, là. Il a une partie de son costume. Ah, il est mignon. Ouais, voilà. Il est mignon et il fait mal. Parfait. Évidemment, le perso sans quoi il n'y aurait aucun sens. Hayabusa, voilà, bien entendu. Le super ninja. Le Shredder du jeu. Ah, il est tellement stylé. C'est le Kagemaru de Roi Live. Ouais, exactement. C'est ça, c'est ça. Et fort, il n'a pas l'air dans les stats, il n'avait pas l'air si. Ouais, ça va. Non, ça va. Ça va, c'est complet. Ouais, complet, complet. Il a ce qu'il faut. Et les deux persos précommandes, là. Donc voilà, donc il y a New Tengu, donc on n'a pas les aperçus. Non. Qui est un perso plutôt de We Finish. Mm. Et Phase 4, qui est un perso d'Exe. C'est plutôt une Exe assez élevée. Et... Phase 4, c'est Kazumi, en fait. Oui, c'est Kazumi. C'est le clone de Kazumi. C'est le clone de Kazumi. Qui est un perso avec un niveau d'Exe assez élevé et vraiment de gros combos, de gros dégâts en strike. Elle a l'air un peu craqué pour vous dire la vérité. Donc si vous avez précommandé le jeu, vous avez normalement ces personnages là. Nous on a une version physique, mais c'est uniquement pour la version des maths que ces persos étaient dispo. Donc elles ne seront pas là, mais c'est pas grave. On va passer du coup au tuto avec le perso que tu veux, hein, mon très cher Alucard. Oh, bah fais-toi plaisir, bien sûr. On va taper Nico. Ouais. Face à... Il y a des bonhommes dans le jeu, sérieux. Ah oui, il y a des bonhommes dans le jeu. Alors oui, très important les stages. Oui. Alors faut quand même qu'on en parle, c'est très 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 est-ce important. Est-ce qu'il y a marqué fonction du stage si tu tombes de côté, de travers, tu sais l'indication Non, il n'y a pas d'indication. On peut sélectionner les différents endroits dans le stage. Tu peux voir s'il y a plusieurs endroits dans le stage, ouais. grâce à ça. Par exemple, là c'est un bateau pirate, machin. Yes. On voit qu'il y a une trappe ouais. au milieu. Donc si on envoie vers le sol au niveau de sa trappe, ça passe... En bas, yes. où il y a plein de barils d'explosifs, des pièges, des machins. Et... Ah bon. Des pièces d'or. Est-ce que ça va être tournament proof, ça Les explosions, les interactions avec le décor, etc. C'est prévu pour. Enfin, ça, depuis DOA 5, c'est comme ça. Donc, très bien. Le 4, un peu. Même le 4, ça avait bien commencé. Avec les voitures, déjà. En 4, et le 5 a vraiment mis beaucoup d'emphase là-dessus. Et le 6, encore plus, du coup. Avec encore plus de types de dangers différents. Etc. Ouais, et on vous l'apprend très vite lorsque vous faites à la fois les tutos du jeu ou les combos du jeu. C'est-à-dire que si vous utilisez convenablement les interactions avec le décor, les combos peuvent aller réellement du simple au double en matière d'efficacité. Ouais, hein. C'est sur-violent. Close Paradise, on se jouera assez tard. On a Unforgettable. Globalement, des décors assez lumineux et colorés. C'est beau, ça. Road Rage, Chinese Festival, le stage 0, assez classique. Apo, ça c'est le stage de l'histoire. Le Strodon, c'est la cage, bien entendu. La rue. Et mes stages préférés. Ça m'étonne pas. C'est ton style. C'est Kyoto. C'est Kyoto en automne, mec. Et regarde, et là il y a la campagne de Kyoto. D'ailleurs, les deux stages sont liés. Les deux stages sont liés. Ah ouais. C'est-à-dire, si on commence là, on peut finir là. Ouais. Franchement, on va choisir l'Hidden Garden pour le tuto. Le stage, il est trop beau. Il est magnifique. Il est trop beau. Les effets de lumière, ils sont juste incroyables. Je surkiffe, moi. C'est vraiment. Rien. C'est complètement mon type de truc. Ouais, les effets de lumière sont bons. En plus, tu les vois bien reflétés. Mais surtout, c'est des stages très, très lumineux de manière générale. On reprochait à certains autres jeux d'avoir des stages très sombres. Et en fait, moi, dans un jeu de 3D, ça me gêne d'avoir des stages sombres. Je sais, dans Tekken, t'as quelques stages qui sont méga sombres. Moi, je déteste. Ouais. Ça m'énerve parce que c'est des jeux où t'as besoin de voir vraiment. Déjà rapidement passe, les et puis, trucs. Et puis, c'est agréable. Tu vois, t'as besoin que ce soit flashy un petit peu, tu vois. Exactement. Agréable, ouais. Donc on va juste paramétrer un tout petit peu comme toi tu as l'habitude de jouer et on va expliquer ce que c'est le S, le P, le K, le H, le T. Voilà. C'est pas très compliqué non plus. Tu parais que 4 touches toi, t'es vraiment un joueur d'arcade alors. Oh, mais... alors on rappelle que dans Dead or Alive en fait il n'y a que 3 boutons en vérité qui peuvent être utiles, à savoir H, P et K. Exactement. En vrai vous pouvez tout faire avec H, P et K. Comprenez, hold, point et pied. Voilà. C'est donc, ça.
Il n'y a pas de bouton garde à proprement parler dans le jeu, même si le hold va vous servir à garder aussi. Mais la garde, c'est arrière aussi dans le jeu. Si vous reculez, vous avez la garde. Le problème, c'est que, bon, on peut le voir, Dedora Live est un 8-way run. Donc, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez dans tous les sens, comme dans Soul Calibur. Ouais. C'est la grosse différence en vrai avec Virtua Fighter, où c'est beaucoup plus difficile d'8-way run dans Virtua Fighter. Et du coup, comme tu te déplaces dans tous les sens, tu ne peux pas faire diagonale bas arrière pour avoir la garde immédiatement. Ouais, donc pour ça, c'est moins pratique. Pour ça, il faut généralement que tu fasses H et puis bas pour avoir la garde basse pour garder les lots. Ça, c'est important. C'est ça. Mais globalement, la garde, c'est arrière quand même dans le jeu. Si vous voulez faire garde basse, il faut appuyer sur H et SBC. Après, sur certaines techniques avancées, c'est vraiment très pratique d'avoir la garde, d'utiliser la garde sur un bouton. Ouais. Parce qu'il y a des techniques qui viennent de VF, comme la fusée garde, et qui sert à esquiver les chops et bloquer les mids. Et du coup, ça, c'est avec la garde qu'on peut le faire. Ok. Tu viens de backdasher, il y a des backdashes. Il y a des backdashes. Il y a des backdashes. Oui. C'est que l'arrière ou... Donc non. Les bons vers l'arrière, les bons vers l'avant. Oh, c'est beau. Enfin, non, mais On va voir que dans ce jeu, il y a même des super steps sur le côté. Ouais, tu vois, c'est vraiment assez stylé le système de mouvement. Donc, c'est un jeu qui offre une grande liberté de mouvement de manière générale. Donc, on va parler un tout petit peu du système. Donc, globalement, comme dans tous les jeux de combat 3D, vous avez les high, les mid et les low. Les high et les mid se bloquent en haut. Les high en haut. Les mid, il y a différents. Ça différencie punch et kick. Ah oui ? Oui. Donc, les mid, les punch, tu peux les garder en haut et en bas, mais pas les kicks ? Comment ça marche ? Au niveau des contres. Les contres c'est différent, on reviendra au contre après. Mais bon, au niveau de la garde. Non, au niveau de la garde. Les high et les mid, tu les gardes en haut. Oui, voilà. Et les high, tu les duck. Et les high, tu peux les esquiver. Voilà. Tout à fait. Et la garde basse garde uniquement les lows. Voilà. D'accord. Est-ce que les mid cassent la garde basse ? Oui. D'accord. C'est ça, c'est et les high les évitent. Enfin, les high passent au-dessus. Voilà. Donc, c'est très classique, c'est comme dans Tekken. C'est exactement pareil. Comme dans Tekken. Pareil, exactement. Là, on est sur le jeu de combat 3D, ouais, assez classique. Avant de revenir sur tout, j'aimerais qu'on fasse un petit mouvement dans le menu de ce mode training qui est assez complet. Si tu as fait Start, justement. Donc, on peut vraiment paramétrer beaucoup de choses dans ce mode training. Oui. Beaucoup de choses. Déjà, on en parle quand même, on va en parler. Des frames. Eh oui. On va en parler. C'est le bonheur absolu. Franchement. Donc, en fait... Au niveau il y a la frame data in-game, oui, qui est gérée de manière dynamique, c'est-à-dire qu'elle s'affiche en temps réel. C'est ça. C'est-à-dire que même si on fait un mythi, par exemple, ça va afficher l'avantage exact. L'avantage exact que tu as sur un coup, un setup particulier, etc. Exactement. Donc, qu'on rappelle, un mythi, c'est un coup que vous donnez pas sur la première frame, mais sur une frame d'après. C'est ça. Qui arrive très souvent quand un perso se relève, ou quand vous faites tomber un perso sur un coup, etc. Exactement. Il y a plein de situations où vous pouvez placer des mythi attaques. Du coup, on peut voir la vitesse. La première information, c'est la vitesse du coup, dans la séquence. Séquence. Entre parenthèses, c'est le temps d'activité du coup. Ok, donc combien de temps le coup va être c'est actif. C'est ça, et le troisième, c'est le recovery. Ok, d'accord, et combien de temps on va te mettre à recover. Donc après, on a les dégâts. Dégâts critiques, c'est pour le jeu de stun, justement. Yes. Position, c'est si notre personnage s'abaisse, esquive ou reste debout. Pour casser des coups hauts, etc. Exactement, certains coups induisent un changement d'état chez le perso, donc exactement. Bon, les rabaisser ou les relever ou les envoyer en l'air. Par exemple, là, il y a marqué accroupi quand elle fait ce coup là, par exemple. Ah oui, j'avoue. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'elle se baisse pendant tout le temps où c'est marqué. Donc elle évite théoriquement les high. Les high, exactement. En bas, t'as la hauteur du coup en question. Si c'est un coup, une chop ou etc. T'as traduit en français, haute frappe. Et si ça traque, les steps ou pas. Ah, ah oui, d'accord, si donc c'est anti-step. C'est ça, c'est par exemple, c'est le décalage sur le côté. Par exemple, ce coup-là, il est anti-step, ça marque suivi en français. Bon. Suivi, c'est tracking. Suivi, c'est anti-step. Après, il y a avantage, les dégâts, donc le metteur qu'on gagne. Tu vois, quand t'as fait ce coup-là, t'étais à plus 5. Voilà, vraiment, t'es bien. Voilà. Et puis, il y a plusieurs pages.
La seconde page, c'est pour tout ce qui est distance. Waouh, t'as même des trucs ouais. comme ça. Distance, oh, c'est la NASA, le jeu. C'est magnifique. Oh la vache, le jeu, ils vont en tour. Les mecs, ils vont te voir en tour, les mecs, ils ont dit bon. Ça, c'est parfait pour s'entraîner au Whiff Punish parce qu'on sait la portée exactement. On sait un mythique, on sait que c'est 1m95, donc du coup, tu regardes. Non, t'es sérieux. Tu regardes la portée et tu fais bon. Voilà, là, par exemple, ce coup, il est à 2m19, il est très bien pour punir, par exemple. T'as plutôt que si, attends, mets-toi là, tape, je vais voir si ça touche. C'est ça. Et du coup, c'est marrant parce que les joueurs de Dewa, quand ils parlent entre eux, ils disent ouais. Ce coup il fait 2m19 et tout. du coup, c'est une nouvelle frame du jeu. C'est ça. Et du coup il y a la hauteur aussi. Ouais. La hauteur de launcher par exemple. Oh, il envoie 1m67, etc. Il y a aussi s'il y a du pushback ou pas. Yes. Combien de recul est-ce que tu mets au perso voilà, avec le coup. S'il a le statut de coup. Alors ce qu'ils appellent coup proche, c'est les close hits. C'est des coups qui font plus mal quand ils sont faits à quand côté d'un quand ils sont faits près, voilà. Plutôt que de loin. D'accord. Par exemple, ce coup-là. Ce coup-là de loin va faire certains dégâts. Voilà. Ouais. Par contre, si tu le mets de près, boum. T'as vu ouais. Et t'as une anime, l'anime est différente. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un hit-stop plus important. Et donc voilà. Et la troisième. Il y a une troisième page. Ouais. Qui explique si on peut décaler des coups dans les command list. En gros, ce coup-là, par exemple. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On peut le décaler entre de 18 à 32 frames. C'est-à-dire qu'on peut faire ça. Et ça fait. Ça décale le follow-up. En fait, on peut le faire vite ou on peut le faire lentement. Donc, on est d'accord. Ouais. On parle pas du tout de la capacité de combo de cet enchaînement-là. Non, on dit juste que tu auras accès au deuxième coup, donc au suivi du coup, un peu plus tard d'un certain nombre de frames et c'est marqué, d'accord ? C'est marqué, voilà. Donc ça peut être par exemple très utile quand le personnage est en état de jonglage, donc en juggle dans les airs, tu peux savoir si tu as le temps quand même de décaler pour le reprendre exactement comme tu veux. Ouais, dans Tekken, il y a pareil, mais c'est pas marqué ce genre de choses. Ah, c'est pas du tout marqué, c'est pas du tout obligé de deviner toi-même. Et c'est l'intérêt aussi pour presser l'adversaire par exemple. Parce que du coup, on peut décaler. Si un coup, on peut beaucoup le décaler. On peut faire croire à nos adversaires qu'on a arrêté l'enchaînement alors qu'on est encore en train de continuer. Ah, mais les données, les données. Par contre, la traduction française. On vaut mieux mettre le jeu en anglais. C'est immonde. Moi, ça, par contre, c'est obligé sur quasiment tous les jeux. Vous savez, ils sont obligés de tout traduire en français. On a ça depuis Mathusalem. Et du coup, à chaque fois, évidemment, la traduction des termes est compliquée. Donc, nous, ici, on va essayer évidemment de vulgariser au maximum le système de jeu pour pas que vous soyez trop perdu quand vous regardez évidemment ce jeu, afin que vous puissiez avoir les bons débuts de DOA. Très important évidemment l'action de l'IA, tu peux tout paramétrer de l'IA. Non, première action, deuxième action. C'est ça. Ça c'est si le mec veut bourrer. Ça c'est récupération, c'est si quand tu le mets par terre, il va tech roller sur le côté ou pas. Yes. Ou en arrière. Ensuite après c'est s'il déchoppe ou s'il déchoppe pas. C'est ça. Ouais. Ensuite, tu as. Ça, c'est si le personnage de l'ordinateur va contrer dans le stun, à quelle vitesse. Ah oui, d'accord, ok. Donc, ça, c'est spécial. Okay. Donc, après, ça, c'est la hauteur du contre dans le stun. Ok. Ouais, donc, ça, c'est le counter neutral. Y counter, c'est le statut de touche, on va dire. Très bien. Ça, c'est pour régler ta barre de la super. La barre super, plus élevée. Ça, c'est les zones. Ça, c'est les activations des dangers dans les stages. Ok. Et voilà. Et le reset. Donc il y a tout un tas de raccourcis dans le mode training pour aller directement à certains endroits. Genre quand on fait le pavé tactile plus gauche, ça lance directement l'enregistrement. Ah oui, d'accord. Ouais. Le mode training, il est optimisé. Ouais, voilà, pavé tactile droite, c'est directement la lecture. Pavé tactile bas, c'est guard all directement, etc. Donc il y a tout un tas de commandes en fait dans le training pour gagner du temps si on est un mec du labo. Exactement. Tu fais L3 triangle, t'arrives sur tes counters. Voilà. Du coup, là, t'as ta jauge max là. Ouais. Donc on va parler. Donc, tout en haut, jauge de vie. Tout en bas, une jauge séparée en deux, qui est donc la jauge dite d'intervalle. Donc, qui va être votre jauge de super. Qui va servir à trois choses, il me semble. Donc, en deux choses en fait. Ça sert. Il y a le contre super. Ouais, le break hold et le break blow. Et. Voilà, exactement, ok. Et la super. La super. On peut choisir de cancel pour faire un combo à la place. On va y revenir un tout petit peu plus tard, juste après, mais c'est vrai que c'est assez stylé. Donc dans le jeu, vous avez un système de triangle. Alors, est-ce que tu peux juste montrer la base de DOA? C'est très important dans le jeu. Donc, tous les coups du jeu vont battre toutes les chopes du jeu.
Oui. Donc dès qu'un mec essaye de bourrer shop, si toi tu fais coup, il perd. Et il perd même grave puisqu'il prend. Il prend counter. Hein. Il prend un counter. Ouais, une sorte de super counter qui a un calcul des dégâts plus avantageux du coup pour. D'accord. Donc tu peux nous montrer juste ici, t'as paramétré peut-être pour qu'il bourre la shop en sortie. Du coup, ça doit être ça. Hein. Projection, ouais, plus offensive. Voilà, donc tu le touches, là il va bourrer la shop, tu vas voir. Voilà, on voit, il bourre la shop. Donc ça, tu peux le paramétrer. Mmh. Et là, si tu lui comptes son bourrage de shop en décalant un tout petit peu, tac, et voilà. Donc là, tu fais un contre. Et quelle que soit la situation d'avantage ou désavantage qu'on ait, à partir où on amorce le coup, on va battre la shop. C'est-à-dire que si le mec il veut faire une shop en pressing et qu'il a largement l'avantage, et si nous on tape dans sa shop, on aura raison. C'est toi qui as raison. Quoi qu'il arrive. C'est vraiment, vraiment le vrai principe du jeu. Et c'est pas comme ça dans tous les jeux, puisque certains jeux, même si tu fais. Tu peux choper les start-up de coups. Oui, là, à partir du moment où le coup il est parti, la shop a perdu. Voilà, c'est toi qui as raison dans Dedora Live, tu comprends? C'est ça. Très, très important. Alors évidemment, pour rendre équitable tout ça, le mec choisit du coup de taper à la place, donc pour te contrer une éventuelle shop. Tu as tout un système de contre qui est disponible dans le jeu. Avant, juste un petit détail, il y a aussi au niveau des shops, certains persos qui ont des shops, on appelle ça des offensive hold. Mmh. En fait, ces shops-là bouffent les coups. Par genre exemple, Jean-Li, la shop. Des shops armor, alors shop, peut-être un peu. Shop, ouais. Ça bouffe certains coups. C'est pour ça. Voilà, donc, c'est pas universel. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais. C'est toujours le problème des jeux de combat. On te dit une règle et on te dit, mais en fait, oui, mais non. Donc, pour le système de contre, dans le Dedora Live 6, on utilise du coup un système dit de four-way hold, à savoir donc une prise 4 coups, c'est ce que vous voyez juste sous la barre de temps infini sur l'écran. Donc vous avez soit le 4-way, soit le 3-way hold, donc soit en 4 types de contre ou soit en 3 types de contre. Globalement, qu'est-ce que ça va changer? Les 4 types de contre vont avoir une manie pour contrer les high, qui est universel, qui est diagonale au arrière, au avant, diagonale au arrière H. Voilà, donc on peut voir là ici qu'est-ce que ça fait. Par exemple, si un mec fait un high, donc tu vois coup de poing haut par exemple, voilà, si toi tu fais diagonale au arrière H, voilà, on le voit la manip en bas à gauche, boum, contre immédiatement. Et tu vois, ça fait mal, hein, les contres, hein. Donc si t'as anticipé les contres, ça fait pas mal de dégâts. Tu peux mettre le contre dans le vent, on voit que le contre dans le vent, c'est pas mal de recover quand même, donc c'est pas un truc. Tu peux te faire starter, tu peux te faire une shape. Et surtout, c'est contre perte contre les shops. Donc si tu mets une shop dans un contre, c'est. La shop prend des gros dégâts. Ouais, tu prends des gros dégâts. Tu prends vraiment très gros dégâts dans le jeu, ce qui est logique, parce que c'est la triangulaire de base. Prise avant, c'est ça. Hop. Tu vas taper, tac, il va essayer. Et là, tu chopes, donc tu vois. C'est un essor de contre-shop, regarde la barre. Oh la barre un de quart vie. De vie. Ouais. Et c'est pas un perso de shop. Elle fait pas mal en shop. Et elle fait pas mal en shop. Bon, je vous laisse imaginer Basse. Basse ou Tina. il fait moitié de barre sur si tu fais le mauvais choix. Quoi. Donc rendez-vous compte quand même à quel point le mind game est important dans ce jeu. Et c'est ça qui est vraiment génial avec DOA, c'est que tout est orienté là-dessus. Donc on parle du système de compte, donc on dit les contres A et C diagonale. Il y a deux types de compte mid. C'est ça. Un pour les poings et un pour les pieds. Exactement. Donc pour les points, c'est avant H. Non, pour le point, c'est à l'arrière. C'est arrière H, d'accord. Et pour les points, c'est avant H. Pour les pieds, c'est avant. Et pour les pieds, c'est avant H. Donc là, tu dois différencier les points et les pieds. C'est pas un peu compliqué, ça, dans DOA? Non, en fait, c'est super intéressant dans le sens où justement, il y a des coups qu'on va considérer comme un peu moins bien. Et vu qu'ils ont une hauteur différente, un mid-pied et un mid-point, ils vont devenir intéressants à utiliser. D'accord. Vu que le jeu est vachement basé autour de ça. Ça évite qu'un personnage ait des coups trop redondants. Typiquement, un perso qui a un coup de zoning trop fort. Ah ouais. Et s'il n'en a qu'un, c'est pas si fort que ça. Parce que du coup, ce sera toujours à la même hauteur. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est intéressant. Après, il y a vis-à-vis des jeux de stun, donc des situations où on stun l'adversaire comme ça, il y a toujours ces désavantages particuliers. Ce qui fait que l'adversaire va savoir, s'il connaît bien le jeu, que derrière tel coup,
on peut faire que un mid-punch par exemple et les mid-kicks qui passent pas, ouais. Ou etc. Évidemment, ça favorise énormément la connaissance du jeu. Exactement. Et aussi, ça défavorise tous les bourreurs du live. On est d'accord contrairement à Tekken où ton système de compte c'est plus la garde et tu dois connaître le moment où tu pars un ou deux quelques personnes qui ont des vrais paris, mais c'est très rare. Ouais. Généralement, c'est soit garde et ou step, mais sinon c'est dans des relaves, un bourreur, il met punch, punch, punch avant punch, donc full 4 mid. Il a perdu. Si t'as le mal, il prend contre à chaque fois, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Faut vraiment faire très attention à ça. Surtout qu'en plus, sur DOA en général, les punitions se font par les shops. C'est-à-dire, si quelqu'un vous bourre dans la garde et qu'il est en négatif, on fait avant shop et c'est puni. Ouais. Enfin, après, en fait, c'est d'ailleurs, il y a tout un délire autour des shops, avec chaque shop qui va à une vitesse différente, qui permet. Plus la shop fait mal, plus elle va lentement, et moins elle fait mal, plus rapide. Est-ce que, du coup, bon, on parle du dernier système du coup de contre, hein, qui est le contre lot. Donc là, c'est diagonale barre arrière H. Donc voilà, ce qui est logique, il compte tous les lots. Hein, par contre, après, il y a des punch lots dans le jeu, des coups de poing lots. Ouais, il y en a quelques-uns, c'est ceux qui font flap. Déjà dit, je crois qu'il a pas un petit. En général, des fois, c'est même bien pour casser un peu. Quand les gens ils sont en train de te mettre un pressing PP ou avant point point, passe en dessous. Tu casses un petit avec un 2P, ça passe en dessous, ça passe en dessous le high et en plus. Derrière, ça met quand même une assez grande distance avec ton adversaire. Donc, Il y a des coups qui passent en dessous des mids. Alors oui, certains. Ouais, en fait, ça dépend en fait du mid. Il y a des mids qu'on appelle les true mids et des mids. Ouais, c'est ça. Voilà. Et mais il te l'indique ça dans le jeu. Des coups vraiment qui passent en dessous du middle, c'est, non, c'est juste que tu vas découvrir. Là, pour le coup, tu vas devoir découvrir. Hein. D'accord. Et ils vont juste indiquer que ton personnage se baisse. Ouais, et est-ce qu'il se super baisse. À toi de tester. Ça, c'est la classique. Ok. Du coup, maintenant qu'on connaît un peu le système de base, comment est-ce qu'on aborde le jeu? Comment on fait globalement des pressings ou des combos dans le jeu? Alors pour les pressings, justement, bon, c'est un jeu 3D, donc il y a beaucoup de coups, d'enchaînement de coups, etc. Évidemment. Et c'est un jeu où justement qui permet beaucoup le délai au sein de ces mêmes enchaînements comme on a pu voir sur la frame data tout à l'heure. Et du coup, on a ce qu'on appelle le free cancel. C'est-à-dire que si on fait un enchaînement et qu'on appuie sur H au milieu de l'enchaînement, on ne pourra pas continuer l'enchaînement forcément. Du coup, ça nous permet, si on veut s'arrêter réellement l'enchaînement et qu'on veut reprendre après... De pouvoir s'arrêter volontairement. Ouais. Du coup, par exemple, elle a un enchaînement, c'est 4 mid punch par exemple. Okay. Et si je fais... 1, 2... J'ai mis un H au milieu. Et du coup, ça fait le jab à la place. Ce qui permet de faire whiffer un possible pari contre face, par exemple, T'es pas obligé de subir la ligne point point point. Non, tu peux repartir à zéro à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton H. Et vu que tu peux beaucoup décaler les timings, tu peux faire croire à ton adversaire que tu as juste décalé alors que tu as appuyé ta free cancel et tu es reparti sur un autre pressing. Ouais. Donc c'est quand tu essaies d'endormir un petit peu la garde de ton adversaire. C'est stylé. Comme dans les jeux 3D, est-ce que c'est le launcher, donc le fait d'envoyer un personnage dans les airs qui va être le début de quasiment tous les combos? Non mais bien sûr. Ouais. C'est en fait... Upkick, les points, tout ça. Donc le launcher est très important pour tous les persos et tous les persos possèdent des launchers. Oui, voilà. Et tous les persos possèdent au minimum 3 hauteurs de launcher. 3 hauteurs de launcher, d'accord. Mid-punch, mid-kick et high, pour justement pouvoir varier avec les contres. Ah oui, d'accord. Ah, j'avoue. Par exemple... Là. Pour Nico, kick... Hop, hop, c'est un launcher. Et on voit que c'est un coup haut. Par exemple, il y a marqué en bas. Là, c'est un coup de pied mid. Et celui-là, hop. C'est un mid punch. Et ça, c'est un mid punch, d'accord. Et donc à chaque fois, c'est quand même très différent parce que là, ton launcher, tu le mets en combo. Tu débutes ton combo par autre chose. Oui. Tu mets un coup qui stun violemment quand même. Là. Il laisse à plus 20. Donc. Plus 20, on est bien. On est pas mal. Voilà. Mais dans cette situation-là, notre adversaire peut contrer à n'importe quel moment. Il n'y a rien de garanti. Ah oui, d'accord. Okay. Donc en fait, c'est là où on fait les mix entre guillemets de stun. Et donc en fait, par contre, si notre adversaire contre et qu'on chope, ça faut bien préciser aux gens. En fait, le fait d'avoir mis stun à un perso. Dans une situation coup critique, là, stun, ça garantit pas du tout le combo derrière. Il y a toujours un compte possible. Il y a toujours un compte possible. Ce serait gratuit. Sinon. C'est le moment où on. Le seul moyen de pas mettre ton perso, enfin le perso en face en contre, c'est soit de l'envoyer directement en l'air,
le faire rebondir par terre ou de le faire rebondir contre un mur directement. Oui, en fait, voilà. Donc dès qu'il est dans un état où il n'a pas les pieds au sol, il ne peut pas mettre de contre. Voilà. Et il y a une autre situation où il ne peut pas mettre de contre normaux, mais il peut mettre son super contre. Ouais. C'est ce qu'on appelle le fatal stun. Vas-y, c'est quoi alors? Ok, ok, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le crumple, donc l'accroupissement sur ce genre c'est de ça. Donc là, on voit, ça fait un effet un peu violent visuellement. Yes. On voit ça tremble un petit peu et tout. Ça fait partie des nouvelles mécaniques. Ils ont mis une sorte d'auto-combo pour les gens. Oui, ils ont mis un auto-combo, c'est vrai. Donc, si tu fais le S, tu peux faire un auto-combo. Donc ça, on peut le contrer qu'en utilisant de la barre de super. Okay. Ou l'enchaînement. Par contre, il a une safe en garde, oui, c'est un high, il est un petit peu lent, etc. Tu peux que mettre le breaking yawl Ouais. C'est ça non. C'est ça. Que faire celui-là. D'accord. La superprise. Ouais. Donc la superprise. Donc là, on est sur ce qui commence à consommer de la barre. Donc cette fameuse superprise, donc le super hold, c'est arrière plus S. S, c'est le quatrième bouton du jeu si vous préférez, mais c'est aussi les trois boutons d'action. En fait. Donc si vous jouez au stick, vous faites H, P et kick et vous avez ça. Mais de base dans le jeu, il prévoit un bouton T qui est le bouton shop, qui est donc H plus point, c'est ça. Et il prévoit le bouton S qui est H plus point plus kick. Voilà, donc vous avez ces raccourcis. Donc globalement, vous avez 5 boutons paramétrés. À la manette, ça vous suffit. Des boutons raccourcis du coup pour ce qui n'existe pas, donc H plus kick, qui vont être souvent les coups assez vénères. Voilà. Et point plus kick qui vont être les coups à d'autres types de variations de coups. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour permettre plus de. Enfin, au niveau de la commande list, pour permettre de faire plus de commandes. D'ailleurs, c'est un break en gros, oui, c'est à peu près ça. On parlait juste de mécanique du jeu, le gameplay. Est-ce que les steps, est-ce que c'est vraiment fort dans ce jeu? Est-ce que c'est vraiment important de drive le jeu, tout le jeu de steps Est-ce qu'on peut éviter les shops en faisant du coup un step sur le côté? Non, alors justement, les shops sont anti-step. Ouais. Les shops sont anti-step. Ah, les shops sont très bien. Ah, disons, mais le step est extrêmement fort. Hein. C'est ça. Dès que tu vas faire un combo linéaire, c'est comme le step de Virtua Fighter dans le sens où ton personnage est considéré comme en train de stepper dès la première frame. Ok, donc il est vraiment plus du tout sur la même ligne que toi. Exactement. Dès la première frame. Admettons, on est vraiment en négatif, mais on fait un coup safe. Si on fait un step et que l'adversaire fait un jab qui est le coup plus rapide, on va quand même le stepper, même si on est beaucoup en désavantage. Alors que dans Tekken, par exemple, quand on est un petit peu en désavantage, il y a un moment donné, le on step peut plus, il n'est pas immédiat. On peut plus tu vas prendre quand même. Tu voilà, vas prendre exactement. Quand même. D'accord. Là, le step est extrêmement rapide. Il est chopable. Le coup derrière le step, c'est pareil, c'est comme dans VF, hein, c'est un coup puissant entre guillemets, et pareil, il est extrêmement punissable. Ah ouais. Super, il a entendu les shops sont anti-step, il dit allez hop, je mets une Tina. C'est ça. Tous les S sont anti-step. Et tous les S sont voilà, anti-step. Le fameux auto-combo. Fatal, c'est anti-step. Ouais, ça, ouais, évidemment. Ouais. Mm. Et là, tu vois bien l'anime que c'est. Il n'y a que le S qui est en mode étourdissement fatal. Ça dépend des persos. Certains d'autres persos. Mais en gros, c'est l'étourdissement fatal universel. Oui, voilà. Tous les persos ont un S. Et après, il y a pas mal d'autres persos qui ont au moins un coup qui fait ça. Par exemple, elle, c'est ça. Soit ils en ont, soit ils ont des situations pour le mettre. Des fois, il y en a qui n'ont pas aussi. Très bien. Donc, ces coups qui sont quand même très, très utiles parce qu'on vous le dit, ça garantit launcher, sauf si le mec claque des barres pour faire ensuite le super contre juste derrière. Il y a aussi une super dans le jeu. Oui. Avec avant plus S, la voici. Donc, c'est chacun a sa propre animation. La classique. Hein. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette super peut être annulée si on le veut. Gratuitement, du coup, puisque ça vous consomme tout votre barre. Vous appuyez sur H. Et vous avez donc le perso qui est en situation d'étourdissement fatal, donc il se met sur les genoux, et là vous pouvez comboter toute votre vie. C'est ça. Par expérience du coup d'après vous, est-ce qu'il est plus rentable de mettre du coup la super en entier ou de l'annuler et de faire un combo derrière? Alors le combo en général fait plus mal, mais... Ça dépend s'il y a un mur, tout mais ça. Mais par contre, en fait, quand on annule la super... Si notre adversaire a 50% de metteur, il peut faire le contre. Il faut faire attention à la barre en face. Donc, c'est une prise de risque. Globalement, on va aller sur plus de dégâts, mais c'est plus risqué. Quoi. Prend 50-50 en gros. J'ai vu des trucs assez rigolos, mais tu peux mettre la super dans un combo donc, de jonglage en juggle, annuler, laisser le mec en jonglage et continuer. Ouais, c'est ça. Ça va quand même. Ce qui est sympa, c'est que contrairement à d'autres jeux, la super n'est pas invincible à 100%. Ils m'ont dit, par exemple, si tu mets un lot.
tu bourres le mec qui bourre super, si tu mets un low. Un low et ça passe pas. Ouais. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que ouais. le nombre de fois où le mec tu peux piffer avec le coup, tu dis bon bah ça y est, quoi qu'il arrive ça passe. Mm-hmm. Là, un low, c'est quand même fort. C'est ça. Et si et dans le startup. Certaines frames d'activation, ouais, ouais, tu peux choper en fait. Ouais, voilà, dans le startup de la super, tu peux mettre une chope aussi dedans. Ah, en donc fait, tu peux mettre aussi une shot dans le starter de la super. Ouais. C'est ça, yes. Mais faut faire attention parce qu'à la fin, c'est un coup. Donc, ouais, si bien tu sûr. Mal, mais t'as quand même deux possibilités de contrer l'ultra, contrairement à d'autres jeux où tu la balances et là, t'es invincible quoi qu'il arrive. C'est ça, ouais, ça, c'est ouais, bien. Ouais, après, elles ont une portée et un startup assez violent. Elles sont fortes. Tu peux whiff punish beaucoup. Si on mettait la distance à laquelle va aller super, la plupart du temps, ça va assez loin quand même. Ouais, bien sûr. Si tu veux punir un coup dans le vent avec, t'es bien. Elles sont fortes et aussi, c'est. C'est auto-contre dès la première frame. C'est-à-dire que si un adversaire fait un enchaînement, bah, au milieu de son enchaînement, on peut la mettre. C'est merveilleux. Donc, c'est ce que, communément ce que l'on appelle un pif. Exactement. C'est pas pareil. Ouais, tu perds de barres gratuites quoi. Oui, voilà. Comment se charge la barre de super? C'est en donnant des coups. Hein. En donnant des coups, ça donne beaucoup plus quand on okay, prend. Ok, c'est pas en recevant. En recevant, t'as gagné un tout petit peu. T'en prends un peu en recevant aussi. C'est à peu près, je dirais, 40% de ce que le mec gagne. Tu le gagnes toi en tant que. C'est une semi-comeback mécanique, on va dire. Comment du coup fonctionne, de manière générale, dans une partie de DOA, les déplacements? Est-ce qu'il faut utiliser beaucoup le Highway Run comme dans un Soul? Est-ce qu'il faut être plutôt dans la dynamique de dash avant? Comme dans un Tekken. Alors en fait c'est un peu différent de Hetsul et Tekken dans le sens où vu qu'il y a beaucoup de dangers qui peuvent apparaître dans les stages, le Haywire Run il va servir essentiellement en tant que placement mais pas en tant qu'esquive. Oh, ok. C'est-à-dire que ça esquive très peu, ça esquive certains coups, mais globalement, si on est en train de se déplacer et que l'adversaire tape, c'est pas parce divin. Soulka, c'est non seulement c'est ultra efficace, et en plus Soulka quand tu te déplaces, t'es en counter. Oui. Donc là, je vais te dire, tu réfléchis à deux fois, tu vois. C'est donc ça. Là, si on veut vraiment esquiver des attaques, mieux utiliser les fameux steps prévus par le jeu, donc Baes et OS. Ils track. Oui, là. Tout ça. Les deux, en fait, le deuxième et le troisième coup, là, il track de Diego, il peut pas trop step. Ah oui, j'avoue. Alors, en fait, le premier track, mais pas le. Voilà, ça c'est linéaire, donc il peut step dedans. Ah, le dernier, tu peux la patate, tac. Et voilà. D'accord, ok. Et là, du coup, généralement, si tu step et que tu le contres son coup dans le vent, boum. Ça va prendre très cher. T'as launcher ou pas? Ouais, t'as. Ouais, voilà. Ton coup critique, c'est contre en fait. Hein. Ouais. Vous avez compris, hein. Voilà. Donc les steps, en fait, du coup, c'est un mélange. Au niveau des déplacements, on est dans pas mal dans ce que fait VF, où tous les persos ont un dash DC, enfin un dash BC, un crash dash, et où on peut à peu près cancel les backdash un peu comme on veut, y compris les dash. Sans manip, tu fais juste arrière. Non, en fait, il faut venir au centre. En fait, faut passer par diagonale et repartir. Tu reviens en diagonale. On n'a pas besoin de passer par le nut comme dans Tekken. Tu fais pas diagonale. Tu fais juste, tu maintiens. Ouais, tu peux. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, en fait, le fait de revenir au milieu, ça reset un peu ton dash arrière et du coup, tu peux le refaire. Ah oui, d'accord. En position neutre, tu fais diagonale bas, position neutre, diagonale bas. Tu vois le déplacement de la. Ah oui, d'accord, ok. Je refais. Tu vois, dash BC, ça, Genius, dash avant, baisse-toi. Ah, c'est. C'est ça? Donc, ouais. Ok, donc les mouvements comme ça, très très important aussi. Voilà. Globalement, est-ce que on est tout le temps sur le bouton H pour maintenir sa garde dans tous les déplacements ou c'est moins important que dans d'autres jeux? En fait, le truc, c'est que vu qu'on peut cancel par la garde très très tôt dans les backdash. Si on fait tout le temps garde pour se rendre safe entre guillemets sur son déplacement, ben on se déplace pas. Ok. Tu connais à peu près ta distance où tu dois commencer à mettre ta garde ou quoi. Selon le déplacement ou la hauteur, si on cancel par la garde trop tôt, ça fait qu'on se déplace lentement. En fait, du coup, il faut saccader. Du coup, il faut bah, quand on se déplace, il faut essayer d'assumer le déplacement. Voilà. Si tu vois qu'il bouge pas et que tu te dis je vais run et je vais le chop, n'hésite pas. Très bien, est-ce qu'on peut montrer du coup quelques architectures de combo assez, on va dire, simples, ce qu'on appelle les BNB, donc les combos de base des persos. Donc là voilà, donc on commence, on met en état de contre, launcher, et il y a quand même des coups au sol que tu peux rajouter. Hein. Oui.
Ah ouais, donc ça, ça c'est quand tu fais rebondir le perso sur le sol, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Et à la fin, je fais un coup qui fait plus de dégâts quand on est collé. Du coup, c'est pour ça que je dois dasher juste avant. Ok, ok. Pour faire le dernier. Ouais. Donc c'est pas rare qu'il y ait des déplacements en plein milieu des combos, ouais, en fait. Oui, ah oui. Il y a beaucoup de persos qui utilisent ça, hein, qui utilisent le fait de... Après, le boons, ils se rapprochent et ils font Ça me fait beaucoup penser à Virtua Fighter hein, quand même hein, sur beaucoup beaucoup de mécaniques. Et c'est vrai que les persos de Virtua Fighter étaient dans le 5. C'est les persos de King of Fighter qui vont rejoindre le cast de ce 6 avec notamment Mai Shiranui qui sera une des premières arrivées. Est-ce que vous pensez au retour de certains persos de Virtua Fighter dans la licence DOA? C'est pas impossible parce qu'on sait que c'est il y a certains anciens développeurs de chez Sega qui sont chez Team Ninja, etc. Où ils sont restés assez proches. Les joueurs de Virtua Fighter ont beaucoup aimé l'intégration des persos de VF parce qu'ils étaient très fidèles dans DOA 5 à leur version Virtua Fighter justement parce que vu que les systèmes sont très proches, c'était assez facile en fait de conserver l'âme du perso entre guillemets. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient déjà mis Mei dans le 5 en vrai. Hein. Pour les persos de VF. Après pour les persos de KOF, c'est plus compliqué du coup parce que vu que c'est un jeu 2D. Ouais, mais comme je te dis, Mei s'intégrait bien dans Mei s'intégrait bien, c'est donc, ça. Donc il y a moyen, hein, mais... Après, ça dépend des persos qui vont... On peut pas prendre tous les persos de KOF. Du coup, on a compris que le jeu avait quand même une grande profondeur de jeu, ne serait-ce que par son gameplay, parce que évidemment, il existe à chaque fois des petits cas particuliers, mais on peut le montrer, globalement, le jeu a des structures de combos assez simples en vrai. Oui. C'est pas compliqué de faire des combos dans le jeu. Hein. Non, c'est un jeu qui met plus l'emphase sur la lecture de l'adversaire et la connaissance de jeu. Ouais, plus, c'est beaucoup de mind lecture de connaissance. Oui, voilà, plus c'est que ça. Technique, plus que de l'exécution pure. Il y a quelques persos qui sont plus durs que les autres, bien sûr, mais c'est pas le cœur du jeu. Ouais, c'est pas ce qu'on vous demande. Vraiment, le cœur du jeu, c'est vraiment un jeu qui se base sur la lecture de l'adversaire et l'anticipation. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas obligé d'avoir un skill gigantesque en jeu de combat pour être efficace et être fort à Dead or Alive. Par contre, comme dans tous les jeux de combat 3D, il vous faut une bonne connaissance du jeu. Parce que, évidemment, faut connaître aussi toutes les options, et ça, si le perso a l'habitude de taper mid après certains enchaînements, si tu fais ci à ça, etc. Donc c'est vraiment plus un jeu qui va vous, entre guillemets, prendre la tête sur les options et la capacité à changer les mouvements de chaque perso plutôt que sur la complexité et la difficulté des combos. Super, on dit que des fois les jeux de combat ils manquent vraiment des options défensives. Franchement, sur ce jeu, il y a tout ce qu'il faut en option défensive. Super. Tu peux pas juste arriver et balancer la commande list, tu sais que c'est atterrisse ses périls. Et ça, je trouve que c'est bien. Donc ça récompense ceux qui attaquent en main game et aussi ceux qui ont une bonne défense. C'est un jeu bon plutôt offensif hein, quand même. C'est quand même un jeu offensif. C'est un jeu qui. Si on compare à d'autres jeux, par exemple, les lots dans ce jeu-là, ils sont beaucoup en avantage, par exemple. Beaucoup plus que dans Soul Calibur où il y a très peu de lots qui passent en avantage. Ouais. Par exemple, celui-là, il a sa plus 5. Celui-là, il a sa plus 9. Plus 9. Ils sont très punissables. Ouais. Ils sont très punissables. Mais ça permet. On peut faire des lots en enchaînement, par exemple. J'avoue, plus 9, c'est délicieux. C'est sympathique. Après, il sort en combien aussi le plus 9 Ouais, il est lent. Il est lent. Il sort en 24. Et puis en plus, généralement, quand t'es habitué, le mec il voit l'anime, il est habitué, il fait un pari. Oui. Ouais, il fait un compte. Ou il garde, il punit. Ou il fait un petit coup sauté. Il fait un petit coup sauté. Tu peux stepper les lots? Et l'eau comme ça, tu oui, il ouais, y en a qui sont stable, d'autres pas. Qui sont linéaires. Et celui-là, on voit qu'il traque pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, parfait. Donc, tout ce système de compte. Donc, on a bien vu hein, le système de counter, les plus grands états de counter. On a compris qu'il y avait des contres. Même si tu te fais counter, tu peux quand même activer un contre. On voit bien la triangulaire. On voit le nouvel système de super intégré dans ce jeu. Ça donne quand même une richesse assez intéressante au jeu. On va passer maintenant, du coup, au combat un peu plus sérieux avec tous les deux. Petit combat, qu'est-ce que vous en dites? Les mains, et ensuite après c'est Genius. Genius qui prendra la main. On peut prendre Lost Paradise. Et on va pouvoir mettre en application tout ça. Lost Paradise, elle est marrante parce que tu peux descendre du stage. Si tu actives en fait un autre décor en bas, tu remontes. Tu remontes. Il arrive, il te prend par les bras. Obligé, on le met. Quel est-ce que tu vois un inconvénient? De quoi? À mettre Lost Paradise.
Mais ce que tu veux. Par contre, tu peux remonter. Il m'a dit que tu peux remonter en haut du niveau avec le T-Rex. Comme t'es en acquis. Allez-y, mais choisissez les stages. Limite de temps 60 secondes, c'est souvent le cas parce que les rounds vont assez vite. Les starts ne marcheront pas. Start, option, clipper, tout ça, ça marchera pas. Oh, il y a un mode e-sport, mais oui. Tu peux pas clipper, tu peux pas faire de start, tu peux rien faire, c'est pour éviter qu'il y ait toute interaction. Les boutons start ils sont désactivés. Le bouton cher, Non, même cher aussi. Ouais. Même cher aussi. Même cher aussi. Donc comme ça, t'as aucune chance de j'appuie sur le bouton, je sais pas quoi, la partie j'ai foutue. J'ai fait start. Putain, les mecs, ils ont pensé à tout chez tout. Hein. Mode e-sport, mon gars. Mode e-sport et le frame data, là déjà... déjà, on est bien. C'est un truc qu'ils ont enfin fait, c'est mettre le changement des commandes comme ça. Moi, je tenais vraiment à faire en tout cas cette partie pour vous expliquer un peu tout le système de Dead or Alive, et notamment ce Dead or Alive 6, parce qu'on a souvent tendance à penser que Dead or Alive, c'est ouais, bon, c'est simple. Tu prends le jeu, tu fais n'importe quoi, c'est bon. Alors que le jeu, c'est-à-dire, c'est un jeu qui a quand même... 6 versions, on a la 6ème itération, on a enfin un gameplay qui est ultra mûr et c'est méga profond et c'est un des seuls jeux de combat qui met vraiment le curseur sur le mind game très haut plus que sur allez foot 6 et foot sur à fond quoi. Sur par exemple le fait de bien comprendre le stage dans lequel on est parce que par exemple dans Lost Paradise il y a une petite rivière. Yes. Et dans cette rivière, les lots en counter hit n'ont pas le même effet. Non. Mais non. Les lots dans l'eau. Tu es ici à chaque fois que tu fais un lot contre. Ah ça marche pas. Non mais non, c'est en counter hit. C'est-à-dire c'est si tu tapes et que tu prends. Voilà, si tu trouves counter sur le. Par exemple le 2. Par exemple là, ça fait ça. Et comment on va faire? Metagarde. Mais voilà, et tu fais un coulant après. Ouais. Ah bah. Ok, juste après, tu sais taper ça, tu casses. Ouais. Bon, un coulant frappe contre, mais c'est pas toi qui as tapé. Ouais. Dans l'eau encore. Le réalisme du décor. Dans l'eau encore. Ouais. Et en gros. Et c'est tapé après, entre les deux. Mais bon, tu vois, c'est un pack qui va y arriver. C'est un pack qui va y arriver. C'est normal. Le décor réaliste, très Bushido Blade. C'est ça, exactement. Je peux dire. Voilà, il reste plus de temps. Ah, si. Mais on est d'accord que peu importe en tout cas ces nouvelles mécaniques, c'est aux joueurs d'Andéo à s'adapter au décor parce que le décor fait aussi partie. C'est à toi de tourner autour du. De bien se positionner. Mm. Par exemple, en haut là, il y a 3 œufs de dinosaures. Yes. Chacun active un danger. Ah ouais, c'est ça. Normalement, t'as un ptérodactyle qui vient te choper et qui te relâche et tu peux ensuite comboter derrière. Derrière le relâchement, tout à fait. Est complètement garanti. Ah, j'ai pas eu de toboggan. Donc là, ça joue Tina, donc plutôt chopeuse, non? Ouais. Face à Diego, très 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 bourrin. Et on voit que là, t'es immédiatement puni. Oh, l'eau en contre, relo en contre. Ça enfin, arrêtez le moukoubinisme. Le step joli. Je vous ai dit que c'est pas trop un jeu du moukoubinisme, hein, quelque part. À partir du moment où ça connaît, si tu fais un peu trop les mêmes phases, t'as vite tendance à te faire contrer. Et on va voir que finalement. Enfin, le choix du contre est à prendre avec parcimonie, étant donné que faire un contre dans le vent, ça t'engage à vraiment quelque chose. Parfait. Du coup, ça là, t'as fait contre, et t'as anticipé le contre, et t'as fait une chope qui a contré le contre, quelque part. C'est ça, la barre, ça prend. Et vous avez vu, c'est marqué du coup en bleu. Généralement, quand t'as des effets bleu, jaune, rouge, c'est que t'as fait un contre un peu plus spécial. Waouh, magnifique. Et encore, j'ai pas contré, hein. J'aurais contré, ça aurait été encore pire. Mais c'est vrai que ça aurait pu retirer énormément. Genius, tu te retrouves dans ce jeu? Moi, franchement, je me retrouve. Je joue beaucoup au 1 et au 2. Et c'est vrai que comme tu le dis, je suis content qu'on ait fait cette émission et qu'il ait aussi bien expliqué. C'est qu'on vraiment, on a tendance à réduire à DDoA un jeu où simpliste, où tu tapes, où tu vois, où c'est que les costumes mis en avant. Alors que c'est un jeu extrêmement profond. Les core value. Et franchement, avec beaucoup de stratégie. Et moi, j'adore parce que c'est un jeu de mind game. Et moi, les jeux de mind game, franchement, Tekken, il y en a, mais il y a beaucoup les déplacements, les exécutions qui viennent aussi brouiller ça. Et les jeux de mind game comme ça, moi, je trouve ça vraiment excellent. Alors, il y a Mark Forever qui me demande à quoi sert la barre bleue juste en dessous. Donc, c'est votre barre de super, globalement. Elle va vous servir à activer soit une super attaque, donc qui est un pif, soit un super contre, qui est un contre que vous allez pouvoir déclencher même dans d'autres situations. N'hésitez pas sur le chat à poser toutes les questions que vous voulez. On a les experts ici de DOA pour répondre absolument à toutes les questions. Et j'y connais un peu en jeu de baston aussi, éventuellement. On va jouer normal et ça va se passer. Éventuellement, pour répondre de temps en temps. Tu as ton avis sur la question. Éventuellement, vous en faites pas. Donc, n'hésitez pas
allez-y, c'est complètement gratuit. Alors, est-ce que le jeu est cross-platform, nous dit-on ? Non. Est-ce qu'il y a du sang in-game ? Il y en a un petit peu, ouais, mais c'est pas... Un petit peu, ouais, c'est léger, c'est juste c'est des... Ouais. Enfin, globalement, il y a des... Pendant les supers, là, il y a le zoom ouais, en plus, on voit sur la... Sur la photo. Il y a un mode aussi, on peut minimiser la violence. Alors, Rare Metal nous parle de l'absence du mode tag. C'est vrai qu'il y avait un mode tag avant. Ouais. Il n'est pas là, est-ce que vous le regrettez ? Non, il n'est pas là. Bon, après, c'était toujours un plus. Moi, j'aimais bien, en fin de session, faire du tag parce qu'on pouvait le faire en branchant 4 manettes et jouer avec des amis, quoi. Donc voilà. Maintenant, c'est pas indispensable pour la compétition. En tout cas, c'était un mode qui n'était pas du tout joué. Mais oui, pour le fun. Alors, on parle, est-ce qu'il y a un season pass de prévu ? Oui, déjà un season pass de disponible. Un season pass coûte quand même 90€. Voilà. Mais un season pass qui contient deux persos que vous pouvez acheter séparément, on rappelle, et énormément de costumes qui sont débloquables in-game. Ouais. Avec à la fois le déblocage des parts dans le jeu, mais aussi avec la monnaie à l'intérieur du jeu. Du coup, évidemment, à vos risques et périls, mais ce Season Pass, qui est quand même assez cher, oui, il est cher, faut le dire, a énormément de contenu que vous pouvez débloquer. Ouais, sans season pass. Donc c'est un moyen raccourci d'avoir énormément de cosmétiques, et on sait que Dead or Alive est aussi connu pour être un jeu de cosmétiques. C'est un peu le jeu de la poupée pour hommes. Ah bah c'est ça. Ah bah on a, au Japon, beaucoup de revenus sont grâce à tous les costumes. Mais bon, quand tu vois qu'un costume, généralement, ça fait quoi ? Ça coûte 3-4 euros dans certains jeux. Là, il y en a quoi ? DLC, il y en a 25 ? Il y en a combien dans l'essai ? Dans le Season Pass ? Ouais, Season Pass, il y en a combien ? Il y a 70 costumes et 2 costumes. Au final, quand tu vois que le costume, c'est 4 balles, finalement, c'est pas si cher que ça. Quand tu vois que ça coûte... Alors, Quasimodel qui demande, est-ce qu'on peut régler la physique des, on va dire, mouvements corporels dans le jeu ? D'habitude c'est le cas. Après là, j'ai pas vérifié. Il me semble que ça dépend des costumes qu'on joue. La physique est fixe en fait. Selon... Par rapport aux costumes, ça change. C'est ça. D'accord. Une autre question, si on a déjà dosé le 5, est-ce qu'on va être plutôt perdu dans Dead or Alive 6 ou est-ce qu'on va retrouver nos marques ? Alors, on retrouve quand même nos marques, même si c'est quand même un autre jeu, quoi. En fait, si on joue exactement comme dans le 5, et qu'on joue contre un joueur qui joue quand même un petit peu bien, on va se faire bourrer. Hein. Mais il se rapproche plus du 5 ou plus d'un autre DOA ? Il est proche du 5, quand même. C'est quand même la continuité du 5, ouais. Du 5. C'est quand même la continuité du 5. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Oh, c'est bien joué, ça. Est-ce qu'il y a une sortie sur Switch de prévu ? J'ai pas l'impression qu'il y ait une sortie sur Switch. Hein. Et il me semble pas. Il n'y a eu aucune annonce en tout cas. C'est PS4, One et PC. Quelqu'un d'entre vous a testé la version PC du jeu ? Non. Moi je la teste ce soir. Tu la testes ce soir ? Je la teste ce soir. Tu me diras ce que t'en penses parce qu'évidemment, le jeu est possible jouable en 2K, etc. Ça peut être assez intéressant. Normalement, oui, il est jouable en 4K sur PC. Mais... Jusqu'en 4K. 4K. Ouais. Ouais. Oh, il va être magnifique. Sachez que sur le mode donc PS4 Pro, vous avez soit un mode graphisme, soit un mode fluidité. Donc moi, j'ai privilégié évidemment la fluidité. Oui. Donc le jeu est quand même déjà pas mal beau comme ça. Oui. Vous avez un moyen d'augmenter encore les graphismes du jeu en choisissant le mode graphisme. Après, je suis un mec du 60 FPS. Moi aussi. 60 FPS stable, donc ça m'hérisse les poils. Si jamais il y a ne serait-ce que le risque d'une perte de frame. Ils sont à 58. Au coup d'un arbre, exactement. 58 me fait battre mon cocolo. Je ne peux pas. Donc j'ai choisi évidemment le mode fluidité. Au pire, montrez juste l'anime. Et au pire, vous pouvez changer de niveau après. Je veux voir ce changement. Tu veux voir l'anime ptérodactyle ? Je veux le ptérodactyle qui te remonte. Tu descends et tu remontes. C'est beau. Mais je suis persuadé que le mode graphisme est quand même assez fluide de manière générale. En tout cas, jeu passe pas en 30 FPS, rassurez-vous. Non, oui, c'est ça. Je pense pas que. Je sais, mais ça doit être petit quand même. Parce que des fois, dans certains jeux, quand tu montes très haut le mode graphisme, tu gagnes. Il y a cette espèce d'effet de blur, c'est motion blur là, et qui est accentué. Et ça, des fois, j'aime pas. Ah, c'est beau. Descente. Oh, tu rates Ken. Oh là là, c'est bon. Et si on se met. C'est où là ? C'est là. Il y a Jeff Goldblum. C'est Jeff Goldblum. J'avoue, il y a pas eu le temps de Goldblum. Attends, c'est quoi ? Comment on fait ? Non, pas dans l'œuf !
3-6-4. Tu peux vraiment dé... Ah ouais. Et donc du coup, si tu montes sur le petit rodet, il nous remet là-haut. On recommence. Et c'est reparti. Non, tu le fais qu'une fois dans le niveau, tu peux pas le refaire à chaque fois. Si, tu peux le refaire à chaque fois. Ah, tu peux le refaire à l'infini. Jusqu'à que le mec il meurt. D'accord. Je change de stage au prochain. C'est magnifique. D'accord. Bon, merci. Voilà, donc actuellement, au niveau des modes en ligne, qu'est-ce qu'on a disponible globalement? Que le ranked pour l'instant. Pour le moment, que le ranked, d'accord. Les lobbies arrivent dans une ou deux semaines, je crois. Ouais. D'accord. Ok. Pour pouvoir créer et se rejoindre dans les lobbies. Bon, ça, c'est le genre de truc qui arrive, sachant que le jeu, même avant la sortie, a déjà eu une mise à jour. Ouais. Et que tu me confiais, du coup, à Lucard, que durant cette mise à jour, il y avait déjà un peu de frame data qui avait changé du jeu. Donc, on est sur la sortie du jeu, bien entendu. Il va falloir peut-être quelques jours avant que tout soit peut-être ajouté globalement au jeu. Histoire d'avoir à la fois les modes de jeu qu'on est en droit d'attendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça. Hein. Chaque sortie de jeu, c'est souvent, faut attendre pour avoir certains modes ou certaines features qui arrivent. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la vraie sortie d'un jeu, c'est aussi un prolongement de période de bêta test qui va permettre de stabiliser un peu tous les trucs. Oh la barre que ça fait, mon dieu! Je suis décontré aussi, donc t'as fait moitié de barre sur un. Bah, j'ai fait le mauvais choix, il a chopé, et voilà. Ouais, avec basse, contrebasse. Alors, il est là. Ouais. On demande pour un débutant, que ce soit des jeux de combat ou de la licence Dead or Alive, est-ce que le jeu est accessible? Alors là, je peux vous répondre, mais le jeu est équipé d'un très très bon mode tuto. Le meilleur mode tuto, un des meilleurs. Tous les rudiments, et qui se complète excellemment bien avec le mode défi, qui va vous apprendre les structures de combo. Vous allez voir, c'est à la portée de tout le monde. Le mode combo, n'importe qui peut réussir les 20 défis de tous les persos du mode combo. Même si ça fait des combos qui font mal et assez stylés. Donc c'est plutôt accessible. Maintenant, ce qui est difficile dans les jeux de combat 3D, tu sais, Genius, c'est d'arriver à pas bourrer en fait les boutons. Voilà, bien sûr, se retenir de bourrer les boutons. Et comme tu as dit, la connaissance dans ce jeu, tout apprendre, ce que tu as derrière, etc. Parce qu'on sait qu'il y a des jeux, j'en ai parlé récemment, j'ai commencé récemment sous le Calibur, c'est assez rapide. Les connaissances de jeu, c'est assez rapide. Là, quand même, t'as quand même beaucoup de connaissances à avoir. C'est quand même assez complexe dans ce sens-là. Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de persos issus de la saga, donc on arrive quand même avec un cast assez important. Mais par contre, c'est accessible, tu joues tout de suite. Après, on est d'accord qu'il y a quand même des structures qui se ressemblent beaucoup. Il y a beaucoup de points, c'est souvent tout le temps des mids. Il n'y a pas de gros, enfin, il n'y a pas non plus. Tous les coups, toutes les variations sont des pièges dans le jeu. Non, c'est sûr. En plus, il y a un truc qui est pas mal fait dans le jeu, c'est que l'animation du coup correspond à la direction à laquelle on appuie. Ah, ça c'est vrai. Quand on fait bas diagonale avant P, souvent c'est un uppercut. Ouais. On fait arrière, souvent le perso il recule et il fait un coup. Donc souvent même juste on voit un coup que quelqu'un fait, on va retrouver assez rapidement ce qu'il était en train de faire. Ouais. Un summersault, c'est avec Badir à l'arrière, souvent les kicks. Si on est débutant, quel perso il faut prendre du coup? Moi, je conseillerais les persos simples au début, comme Itomi. Itomi simple? Itomi, c'est assez. C'est pas un perso qui avait de contre. Hein. Non, en fait, elle en a quelques-uns, elle a des expert rolls, comme on dit, des contres où tu fais arrière avant pour contrer ou des paris, mais c'est pas ça son fond de commerce. Elle, c'est vraiment. Elle a peu de. Sa move list, ça va, elle est pas très grande. Et elle a beaucoup de coups pour soit with punish, soit pour mettre un pressing. Ou... Et puis c'est un perso qui n'a pas de stance. Donc tu sais qui est très. C'est un seul style de jeu. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de transition dans des stances. D'autres persos peut-être. Johnny est pas mal, même s'il a une stance, il fait mal, il tape vite. Donc on peut souvent taper facilement. Kokoro est bien aussi pour débuter. Ayate aussi. Et Ayate, bien sûr. Ayate, c'est vraiment. Ayate, c'est un... Ça restera toujours. Ouais. Toujours le même. Tu prends Ayate et puis t'es. Voilà. Il a beaucoup de range, il ses coups tapent loin, il tape vite. Plus il y a des nouveaux coups maintenant qui sont bien stylés. Et même si c'est le début, ce qu'il y a déjà trop important d'une tier list par rapport au premier tournoi, c'est que c'est le début. C'est le début, c'est assez difficile. Mais après, les gens parlent. Les premiers échos. Ouais, voilà. Il y a des persos qui sortent un petit peu du lot, par exemple. Tina a l'air d'être forte. Ouais. Nico. Elliot. Beaucoup de gens parlent d'Elliot. D'accord.
Après, le premier tournoi américain a été gagné par un Rig. Donc, ouais, Rig coup, et voilà. Bayman Itomi en deuxième. Ouais, voilà, Rikuto, ouais. Itomi, apparemment, ça semble assez fort. Donc Itomi aussi. Assez simple, ouais. Et sinon, sinon Jan-Li. Itomi, Jan-Li, Ayate, Kokoro, c'est bien aussi. Hein. Ouais, et Ayate. Très bien. Voilà, pour débuter, c'est impeccable. Bien. On pose la question des punitions, des déconnexions en ligne. Est-ce qu'il y a punition pour le joueur? Alors, pour le moment, il n'y a personne qui arrache quitte en fait. Ouais, on ne sait pas si on est puni. Après, le mec en face, il est puni, on ne voit pas quoi. Ok. Donc, je ne sais pas du tout. C'est vrai que sur Dragon Ball, on voit si le mec il a enviolé, c'est un rage quitteur professionnel. C'est ça, exactement. Je pense. Déjà, le travail qu'ils ont mis, déjà, le fait qu'on puisse voir si tu vois quelqu'un en Wi-Fi, ça, c'est vraiment quand même quelque chose de bien. Donc, je pense qu'ils vont mettre tout un système de punition pour les. Oui, les je pense. Hein. Parce qu'en plus, les gens essayent de garder leur win streak plus loin possible dans le rage. D'ailleurs, il y avait un système qui était marrant, c'est dans Killer Instinct, où les gens qui rage quittaient beaucoup se retrouvaient que contre des gens qui rage quittaient beaucoup. Ah ouais, trop bien. Ils étaient en zone de quarantaine en fait. Ils ont jamais terminé un match. Ils pouvaient jouer qu'entre eux en fait. Ouais, c'était marrant. Ça veut rien dire. Est-ce qu'il y a des persos très durs à prendre en main? Vraiment les persos les plus compliqués du jeu. Brad. Elliot est difficile. Toutes ses positions. Phase 4, hein, l'un des persos de préco. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à jouer à Yanné aussi. Parce que c'est compliqué, pas parce que c'est difficile. C'est un perso qui se met beaucoup de dos et dans le jeu. Ah oui, d'accord. Okay. Et quand dans le jeu, quand on se met de dos, c'est très risqué parce qu'il y a des. Si on se retrouve stun de dos, on peut plus contrer, on peut plus rien faire. Ah mais oui, bien sûr. Bah c'est logique. Ouais. C'est complètement logique. Ouais, du coup, c'est un perso qui prend bien maîtriser. Prend beaucoup de risques si tu joues n'importe comment. Voilà. Et c'est un perso qui est vachement orienté footsies. Du coup, c'est pas évident. Les footsies, c'est les déplacements. Hein, le finish, tout ça. Bradwong, c'est difficile. Pareil pour les mêmes genres de raisons. C'est le genre de style. Pour faire attention au style. Le lay. Le lay. Pour avoir fait un doctorat en Bradwong pour le jouer. Avec moi, c'est ça. Faire doctorat en Bradwong. On s'en vit beaucoup. J'avoue. C'est pas faux. On nous demande, vous m'avez un peu hypé sur le jeu, est-ce que vous avez des codes promo pour le télécharger? Désolé, c'est vu pas de code promo pour télécharger le jeu. Mais je t'invite à foncer, hein, c'est du très très bon. En tout cas, vraiment, DOA en matière de gameplay s'est rodé. Et là, le fait qu'ils aient ajouté pas mal de features pour les nouveaux joueurs, notamment avec cette histoire d'auto-combo SSS, la super que tu peux quand même utiliser pour faire un retournement de situation. Le super compte que tu peux même utiliser, même si t'es très stun, voilà, c'est des mécaniques pour pouvoir renverser la situation et pour pouvoir aussi simplifier un tout petit peu le gameplay. Donc pour les nouveaux joueurs, c'est très très bon. Même le tutoriel, tu vois, il y a énormément de. Je vous conseille plutôt l'anglais, hein, parce que vraiment les termes en français, c'est. Et donc ça, c'est le tutoriel général. Et il y a le tutoriel par perso. Ah, d'accord, ok, c'est vachement bien. Vas-y, va dans un. Pardon, va dans. Ouais, dans Raidou, Ono, enfin Diego. Ouais. Est-ce qu'on peut tricher et faire Nyo Tengu et Pascal? Bien sûr, on peut. On peut les saisir comme ça. Ah, bah, comme ça, on va pouvoir montrer un peu à quoi ressemblent les persos, ça me plaît. Donc, Nyo Tengu et Phase 4 qui étaient des persos de précommande, bonus de précommande. Donc, ils arriveront en DLC ensuite après. Mais là, pour le moment, c'est les bonus de précommande. Donc, si vous avez précommandé le jeu, évidemment, vous les avez. Nous, ici, comme en version physique, c'est pas une précommande de jeu. Waouh! Le perso, il est stylé. Les ailes. En plus, on a rajouté des petits coups qui font qu'elle va être encore plus jouée, je pense. Ah, ce kimono et ces guettas sur lesquels elle est posée là. Ça mène de ses pressions. Très Kazumi. La pauvre. Exécuter les combos affichés à l'écran. En vrai, toi, tu bourmentes. Avant même que ça s'affiche. Vous voyez, là, par exemple, ça va t'apprendre globalement c'est quoi ça. Ça, c'est quand elle fait une pirouette en arrière et qu'elle revient sur l'adversaire. Je fais des vrais combos aussi en attendant. Il a révisé des combos. Ah, c'était un de mes persos. Il connaît. Alors, on peut juste préciser un petit truc. Donc, généralement, quand vous mettez un contre ou quelque chose qui met dans un état de stun, au niveau de la barre de vie, vous avez toujours une zone un peu brillante de cette barre de vie. C'est de la vie qui est pas vraiment perdue, c'est ça? En fait, c'est le. Comment dire? On appelle ça la jauge de stun. Et c'est le nombre de coups dont.
le nombre de dégâts qu'on a droit avant que l'adversaire tombe tout seul automatiquement. Okay, d'accord. En fait, d'accord, on peut pas maintenir le stun autant qu'on veut. Okay, par veut. Exemple. Tac. Ça. Une fois que t'as fini ce plein, l'adversaire va tomber. Dès que tu dépasses, c'est vachement bien ça. Dès que tu dépasses, le coup il fait tomber. C'est vachement. Alors que normalement, ça fait pas tomber, tu vois, ce coup-là. C'est stylé. Je crois que c'était l'animation de la barre. C'est juste. Ouais, c'est bien fait, ils ont bossé le truc. Même il y a différentes façons de tomber. Par exemple, il y a une façon où elle tombe vers l'avant, des fois. Et elle est obligée de contrer, elle a pas le choix. Ouais, c'est vrai. Ouais. Elle contre ou alors, elle peut pas garder ou quoi. Récupérer sa garde comme d'autres coups normalement. Mick me pose une question très intéressante. Est-ce qu'il y a un Discord de la communauté du coup DOA? Oui, on a un Discord là. On a un peu plus d'une centaine. Alors comment est-ce qu'on trouve du coup l'adresse de ce Discord? J'ai pas l'adresse là. Mais... Je peux la mettre là sur le chat. Il n'y a pas un compte Twitter de la communauté où on peut retrouver ça sur une. Oui, ça avait été tweeté, ça avait été d'ailleurs partagé par Kayane et Ricky. Et Reza. Il faudrait retrouver l'adresse. Là, on n'est pas encore totalement organisé. Donc, oui, il existe un Discord. Je pense que sur le Twitter de Kayane, vous allez pouvoir évidemment trouver ça sans aucune difficulté. Mais on vous la partagera et je vous la partagerai même dans les descriptions de la VOD. Comme ça, vous pourrez retrouver bien entendu Discord. Tu peux mettre phase 4? Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, tu peux aussi prendre phase 4 là, c'est la petite arnaque. Ah bah oui. Ah, ils veulent un combat Genius contre Ken, mais c'est pas possible, je peux pas faire des choses comme ça. Attendez. J'ai déjà. Enfin, vous souvenez, Paris Games Week, tout le monde se souvient. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est terrible où j'ai humilié Genius sur la scène de l'ESWC. Je ne tiens pas ici à réitérer ce genre de choses parce que vous savez, Genius, il a une image à entretenir. Bien sûr. Et si un petit gars comme moi de jeu de combat 2D venait à lui mettre 3-0 sur un jeu 3D, vous vous rendez compte malheureusement de l'image. J'ai besoin des OPSP. Ça serait pas possible. Pas mes OPSP. C'est vraiment pas possible. On peut parler un tout petit peu du World Tour de DOA. Donc, Techno a annoncé qu'il y avait un championnat du monde de DOA Live. Il y aura des étapes en Europe de ce championnat ? Oui, il y aura des étapes en Europe. Par contre, on ne sait pas encore c'est quoi le format. Si ce sera un format ranking comme Street Fighter V. Ou les boules. Si ce sera un format comme Dragon Ball et les boules de cristal. On se demandait que ça allait sûrement être, on en parlait tout à l'heure, que c'était, ça devait être normalement logiquement comme en mode ranking. Parce que je vois pas. Il y a une histoire dans DOA. Tu gagnes des ninjas, des statues ninjas qui te permettent d'accéder, tu vois, à la finale. Mais et en plus, quand on regarde bien la description du World Championship, il y a marqué que c'est les top players par région qui seront invités pour la grande finale au Japon. Ouais. Donc s'il y a un top player, ils vont pas faire ça sur un tournoi, je pense pas. Ouais. Et donc qui dit top player dit à mon avis plusieurs tournois pour savoir au moins qui est le plus régulier. Ça récompenserait vraiment le plus régulier, le meilleur joueur sur l'année plutôt que la performance. C'est pas du one shot comme les problèmes qu'ils ont eu sur Dragon Ball où Kazuno Cool en a gagné 4 ou 5 et derrière ils ont dû en faire. C'était stylé sur le principe. C'était stylé sur le principe. Oui, le principe était bien, mais ils savaient pas qu'il y avait one shot. C'était pas représentatif au final. Bon. Et puis en plus, ce serait pareil. Là par exemple, pour X raisons, ça se passe en Europe ou en Asie et qu'il y a un Américain qui veut venir le faire. Du coup, il peut prendre le slot. Enfin, en tout cas, à l'époque de Dragon Ball, il pouvait se qualifier. Il peut prendre le slot. Là, est-ce que ce sera bien réservé aux Européens? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi pour ça que. Logiquement. S'ils font vraiment par pays, par continent, tout ça, par si vraiment comme ils l'ont dit, je pense que ce sera fermé et. Ce serait puissant. Ouais. Petite question de Solarius. À niveau de jeu égal, est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce jeu en prenant un personnage plutôt élo tier contre un personnage plutôt top tier? En gros, je pense, est-ce que les match-ups sont très marqués dans ce jeu? C'est marqué, mais le système de jeu universel rattrape pas mal ça. L'un des derniers. Ça, c'est un des gros avantages de DOA Live. L'un des derniers tournois qu'il y avait eu, par exemple, sur DOA 5, on avait eu 32 persos sur 32 joueurs différents. Ah ouais. Il n'y avait eu, pas eu deux fois le même perso. Pas eu deux fois le même perso sur les 32 joueurs. Du coup, c'est un jeu qui permet ça quand même. Bien sûr, il y a toujours des top tiers, toujours des. Oui, bon, ça, c'est les jeux de combat. Si tu masters ton perso et que c'est les jeux même tu de connais le jeu. Oui, voilà, c'est ça. Si t'es à même niveau que le mec en face, si t'as les mêmes connaissances, tu sais quand punir et tu sais quels sont tes choix. Ouais. C'est aussi. T'as toutes tes armes pour t'en sortir et ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas des coups magiques qui sont du coup universels. Genre par exemple, dans Street Fighter, les gars qui font Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom, Somersault, que tu peux pas dépasser. Il y a toujours une réponse à
tous les zonings et à tous les trucs dans le jeu. Oui, voilà, ben, encore une fois, parce que le système de contre est universel. Si un coup est vraiment trop fort et qu'un joueur commence à utiliser que ça, ben, il suffit de le contrer. Et l'adversaire va prendre quand même beaucoup de dégâts. Et souvent, d'ailleurs, par exemple, il y a beaucoup de coups très forts qui sont des mid-kicks. Et dans le jeu, il y a beaucoup de contre qu'on appelle avancé mid-kick qui envoie en l'air quand on contre un mid-kick. D'accord. Du coup, si t'as un coup qui est très fort en mid-kick, bah, tu risques d'être launché gratos. Ok. Ou selon les persos, tu prends une grosse phase aussi, parce qu'il y a des contres mid-kick où tu peux mettre des grosses phases derrière. Il y a des combos derrière les contres ou jamais. Il peut y avoir des phases derrière. Il y a ton premier coup qui sera garanti et après c'est ton mix-up. Ah ouais. Ça fait mal ça. Comme les fangs. Je peux montrer rapidement quelques persos. Elliot, il a ça Elliot, genre tu contres et t'as. Il a sur son pari, je crois. Sur pari, t'as combo derrière. Ouais, il a un coup. Il a un coup en fait qui passe entre les deux. Qui met. Derrière, c'est à toi de mixer. Ouais, t'as mixé. D'accord. Par contre, Kokoro, là. Tout comme certaines shops garantissent des combos aussi. Et c'est souvent les shops les plus lentes qui permettent. Du coup, ça permet de. Au niveau du système de punition, d'avoir un juggle sur ta meilleure punition parce que ta shop envoie en l'air en fait. Ok. Comme une petite récompense le fait d'avoir fait la shop la plus longue à sortir. T'as pris un risque. T'as pris un risque de faire une shop du très coup, longue. On te donne de quoi faire quelque chose derrière. Stylé, là. Ok. Le risk and reward équilibré. Il y en a un qui est marrant, c'est ce qu'on appelle les vortex. Et ça, c'est très chiant à prendre en général. Chinese Festival. Ouais. C'est la base. C'est là où c'est le marrant parce que le prend en compte à 100%. Il y a un des dangers dans le. Pardon, ouais. Non, excusez-moi. Non, mais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a dans ce stage-là, il y a un des dangers. C'est bon, festival de chinois. Il y a des endroits dans le stage où il y a des pétards au sol. Et si on envoie le mec un coup qui rabat sur les pétards, Et tu rejuggles ? Ouais. Mmh. Ah, pourquoi pas ? On est d'accord qu'il n'y a quasiment pas de saut dans le jeu, ou non. Zéro saut. C'est juste des coups qui vont peut-être avoir des animations et sont un peu en l'air, mais il n'y a pas de saut, donc il n'y a pas d'anti-air à proprement parler. Non, ils ont des propriétés de passer au-dessus des lots, justement. Donc il y a certains whiff punis qui peut être un peu. Par exemple, je sais que le quart arrière-point de Diego, c'est un petit saut qui il évite un peu les lots, et derrière, il te met une assez grosse droite. D'accord. Ok. Parfait. Donc là, tu vas nous montrer un tout petit peu par exemple, ces possibilités de chop très lentes. Là, c'est un compte, par exemple, qui permet de comboter, tu vois. Et là, derrière, il a une garantie de la garantie launcher, Ouais, il y a garantie launcher. Là, le compte, c'est... Ok, c'est ce compte particulier. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est pas un combo. C'est carrément... Là, on continue encore, parce qu'il y a eu les dégâts décors. Il y a les décors, des fois, tu peux optimiser encore après. Oh là là, mais comment tu dois faire attention à ta vie. Et en plus, la prise décor, il peut te remettre en bounce, et du coup, te mettre la super, et t'as envoyé à l'autre bout pour un autre décor, au cas où. Est-ce qu'il y a des coups imbloquables dans le jeu? Alors, il y en a. Il y en a très peu. Où il y a des coups qui sont guard break qui garantissent un coup derrière, donc c'est un peu. Donc guard break, ça fait sauter la garde, et ensuite après, ça garantit un coup derrière. Là, par exemple, j'en ai un avec ce perso-là. C'est pas donc, forcément imbloquable, mais. Par exemple, ce coup-là. Ok, il est brise garde. Il est brise garde et il est plus 23. C'est bien. Donc, mais attention, un brise garde, tu peux mettre un contre simple quand même derrière si tu tapes après. Non, c'est full garantie là. Donc là, même le compte spécial, il passe pas. Là, une fois que t'as pris le brise garde, t'es gratuit. Même Breaking Out, ça, c'est mort. Non, c'est mort. Ouais, d'accord. Mais l'animation du coup de brise garde, c'est toujours la même. Par contre, l'animation est brise garde. Mais le coup est super lent. Et tu peux te baisser ? Ouais, tu peux te baisser. Après, c'est. Là, tu mets compte direct derrière. Après, elle peut feinter. Ah ! La beauté du jeu, j'adore les jeux de combat. Ma vie, je me la ferai jamais les jeux de combat. C'est tellement extraordinaire. C'est bon. Une petite partie en ligne, du coup, pour terminer. Vas-y. L'un d'entre vous, histoire de voir un petit peu la qualité du net Kodo. J'espère qu'on a la bonne connexion ici. Bah, fais ta config. Ça qui est très très beau. Merci en tout cas pour toutes ces explications. J'espère que vous avez bien compris en tout cas la richesse à la fois de DOA, mais surtout, eh bien, saisir un peu le gameplay de ce DOA 6 qui est vraiment à la fois facile à prendre en main, mais surtout divin. En plus, le jeu, franchement, il est beau quand même le jeu. Il est magnifique. Mais DOA, ça a toujours été une licence où le jeu est beau, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils allaient sur Xbox pour essayer d'avoir les meilleurs. T'as des secrets que, enfin, les gens connaissent pas. Ah mais c'est beau. Ouais. Si c'est beau, j'aime bien quand ça arrive. Un des plus beaux jeux de combat qu'on ait jamais eu sur le marché. Et c'est très waifu. C'est très waifu. Pour toi. Attends, par contre, j'ai pas de kiff là. Oh là.
Calme-toi, Siri. Détends-toi. Recherche adversaire. Oh. On va rechercher du coup un combat en ligne. Et tu mènes qui, toi, Impact? De base, je jouais Elena et là, je suis en train de voir, peut-être pour changer un peu. Là, il est en character crisis. Je suis un peu character en train de... je connais ça. Paul, alors, et ton Paul? Ah, moi, depuis hier, je joue avec Negan. Ah bah, respectez-moi. Mais je trouve ça ouf, je reviens là-dessus, que tu puisses jouer avec les Américains quand même, sans souci. Parce que je sais qu'il y a des Anglais, certains Anglais, ils peuvent jouer avec des Américains parce que par rapport... Non mais je te dis hier, j'ai zéro problème. Vraiment. Après, Excalibur Blades, c'est Cotest, c'est souvent... Oui, c'est pour ça que je dis c'est plus près, peut-être. Mais bon, c'est quand même... C'est quand même des traverse la Manche, la connexion. Ouais. Alors une question qui arrive quand même pendant qu'on recherche un match, on pose la question, quand vous dites plus 23, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quand on est à plus 23, ça signifie que tu as 23 frames pour enchaîner derrière. Donc c'est pas le start-up du coup, c'est au moment où le coup a touché, au moment où tu peux agir, tu peux faire quelque chose, tu as 23 frames, c'est-à-dire une vie entière. Une vie, liste. 23 frames, c'est beaucoup, pour vous dire la vérité, pour enchaîner juste derrière. Voilà, donc c'est plus 23, c'est beaucoup, beaucoup dans un jeu de combat. Même sur des jeux 3D, coups les plus rapides. C'est quoi les coups les plus rapides dans Dead or Alive? C'est 9. 9, voilà. 9. Donc dites-vous bien, 9 frames, c'est le coup le plus rapide. Donc en 9 frames, tu sors un coup. Donc quand t'en as 23. Ah, 9, c'est. Imagine que tu peux mettre des gros. Avant, c'était 8. Il y a un petit détail, mais c'est souvent aussi le cas. Mais là, dans le training, justement, on peut être en training et taguer en ligne. Et oui, tu peux attendre le online dans le mode training. Mais du coup, tu l'as pendant l'attendant que. C'est devenu une. C'est un classique, ça. Classique maintenant. Mais vu le lab de ce Dead or Alive, franchement, il est. Le lab, c'est une vie. Tu peux rester 6 mois dans le lab et tout apprendre. Ah, tu peux faire 10 000 heures de lab et jamais t'en lasser. La fenêtre de frame data, elle est vraiment tellement complète qu'on peut vraiment perdre beaucoup de temps là-dessus. J'aime bien, en tout cas. Faut que tu mettes le mode, du coup. Là, je fais ça. Il est dans. Ouais, c'est ça, défi en attente et tu mets. Tu peux voir le pétard là? C'est là? C'est en haut? Il y en a derrière. Il y en a. Tu vois les trucs rouges là? Ouais. Ah, ça, du coup. Ah, les petits pétards, je vais voir. Ah, ouais! Stylé! Ah, mais c'est le nouvel an chinois. Ah, oui. S'il tech pas et. Et du coup, il y a certains types de coups, les coups qui rabattent au sol, qui normalement ne sont pas très utiles en combo, et parce qu'il y a les pétards au sol. Du coup, ça devient intéressant. C'est marrant. C'est Wi-Fi parce qu'en fait, il est en. Il y a le logo avec les zones, comme des zones qui parlent vers le haut. Les gars. Ouais, tu sais quoi, c'est trop. Il n'y a pas de racisme anti-Wi-Fi. Aujourd'hui, un très bon Wi-Fi, ça peut aller, non? Non. Non, je vous dis non, je suis désolé, non. Ah là là, mais c'est. Il est sectaire. C'est imbloquabilité. Prochain Wi-Fi, je le prends. Ça ne veut pas négocier. Ah, Wi-Fi. Allez, c'est pour toi. C'est pour toi. Allez, il a pris. Quand même. On sera conscient que s'il y a des lags, c'est de sa faute, c'est pas de la nôtre de toute façon. Non, en toute honnêteté, moi, je ne prends pas les Wi-Fi. Ah ouais. Mais c'est cool, en tout cas, que tu vois. Ouais, ils ont annoncé il y a deux semaines, je crois, sur Event Up. Ils avaient montré ça. J'ai fait, putain, les mecs, ils pensent déjà à tout. C'est absolument fou, ça. Regarde, je pense à tous les gens sur ce chat qui sont Wi-Fi. Qu'on embrasse. Combat décisif. Donc qu'est-ce qu'il y a à gagner dans le online globalement? On peut monter jusqu'à quel rang? Là on voit F, on est à F moins, on commence à F moins. Plus SS? Non? Avant c'était SS, plus c'est double S. Après il y a des soit dans les triple S ou des trucs comme ça, je pense. Ça va être toujours le même stage online ou c'est toujours random? C'est toujours random. Ok. D'ailleurs il y a des fonctionnalités dans le versus qui sont intéressantes. C'est que on peut ban des stages du random par exemple. Si jamais un jour ils sortent un stage qui est trop craqué ou quoi que ce soit, il suffira que les organisateurs mettent dans le random de la console les stages qu'ils veulent pas mettre et ils tomberont jamais dessus. Donc le jeu est full e-sport en fait, ils sont en train de me dire, t'as le mode e-sport des boutons, t'as le ban des stages si jamais il y a des stages qui doivent être bannis, etc. Il y a zéro souci. C'est quoi la priorité du coup quand t'as la relevée, que t'as allongé et que tu te relèves en faisant un kick? C'est quoi la priorité? Alors c'est invincible jusqu'à le moment où il touche. Ah c'est bien ça, c'est invincible au début, c'est bien ce que je me disais, d'accord. Du coup, c'est quoi le mieux? C'est de parer? C'est contrable, ça? C'est contrable, d'ailleurs. Ouais. D'accord. Okay. Le mieux de parer, de bloquer, de contrer? Ouais, tu peux contrer, tu peux whiff punish. Ça a beaucoup de recovery. C'est quoi le mieux, à ton avis? Parce que bloquer, t'as pas beaucoup de punish, du coup, derrière? En fait, tu peux punir le bas, mais pas le mid. Ah, c'est parce que. D'accord, c'est pour ça que tout le monde se relève en mid.
Ah, ouais. Diego, c'est des gros dégâts. Mais bon, vu que les contres, comme je te disais, les contres mid-kick sont très très forts dans le jeu. Ouais, ouais. Du coup, si tu comptes, tu comptes direct. Ouais. Il est bon en face ou il est. Non. Mais il lag pas. Mais il lag pas. Tu vois. Bah, c'est une sur. C'est un truc qu'on peut souligner quand même, c'est la qualité du online du jeu. Hein. Ouais, c'est rodé. Et c'est tellement agréable hein, quand tu joues à un jeu de combat. Parce que le Wi-Fi de ce jeu marche mieux que certains versus online. Non, mais là, par contre, pour le coup, le netcode est vraiment très bien. Ouais. Ah, ouais, après, Wi-Fi, pas Wi-Fi, il est vrai que le netcode restera pareil. C'est la base, excellent. Après, voilà, c'est toujours pareil, il faut prendre un minimum soin de la connexion et pas télécharger. C'est ça. Ouais, ça coûte pas. Par défaut, on prend pas le Wi-Fi parce que j'aime bien être le plus opti possible. Ah, tu gagnes quand même beaucoup d'argent là sur un match tu gagnes des trucs, justement, hein. Et c'était buff en fait depuis le jeu est sorti. Pendant deux semaines uniquement, il y a un buff d'argent. Et t'as, en fait. T'as une solution de rematch du coup. Oui, alors t'as 10 secondes pour rematch. C'est FT2. Okay. Et c'est FT2, ouais. FT2, ouais. Ouais, FT2. C'est-à-dire que s'il a gagné. Il a pas rematch. Ouais. Mais s'il gagnait, on aurait fait un autre. Ouais. Ok, bon, ça c'est au moins bah, c'est, on va dire la base quoi, de la modernité des jeux de combat. Voilà. Comme on arrive un peu à la fin, on va continuer de jouer un peu online. Je vais vous poser quand même quelques questions. Quid du coup de la suite? Est-ce que vous connaissez pour ce DOA6 la suite vers où on se dirige? Quel perso semble vouloir être ajouté? Quel contenu va être ajouté dans le jeu? Quel suivi va y avoir au cours de cette année? Alors ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait un plan sur les 3 prochains mois où ils expliquent jusqu'au mois de juin les DLC qui vont sortir, donc il y a des costumes, ils vont rajouter des poses de victoire et des poses d'intro. Ah ouais, ouais d'accord, ok. Des win poses en DLC. Ouais, en mise à jour gratuite, quoi. Ah, en mise à jour gratuite, d'accord, ouais. Ok. Donc là, ce mois-ci, du coup, ils sortent les lobbies qui ne sont pas là donc, pour le mode online. Ouais, on rappelle, les lobbies ne sont pas là au début du jeu. Au début et les deux personnages de coffre sortent au mois de juin. Donc il y a mai et on sait c'est quoi le deuxième du coup. Non, c'est pas du ok, mois de juin du coup, donc okay, juste avant les vous. Ça. Deux mois avant. Et du coup après on sait pas. On sait jusqu'à juin. Enfin, on sent qu'il va y avoir deux autres persos quand même. Il y a place dans la caractère sélection pour en rajouter. Donc, Il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres persos qui sortent. Voilà, là c'est une connexion réseau. Là tu es bien. Il y a même une chance qu'on soit sur quelqu'un qui soit pas trop proche de nous. Parce que quand il y a 4 barres, en général, quand je compte des Français ou des Européens, j'ai full 5 barres. C'est toujours full barre. Bah, quand c'est du réseau, j'ai full 5 barres. Mais 4 barres, c'est jouable. Moi, c'est jouable. Bah, en général, c'est ce que j'avais hier avec les Ricains. Ça se trouve, quelqu'un d'autre fait une émission comme nous. Oui, c'est ça. Alors, il y a Sticky Boy qui pose la question lors du online, est-ce que c'est tu gagnes des points en full grind, c'est-à-dire tu joues et de toute façon tu vas gagner des points et monter en classement, ou est-ce que c'est plus si le classement est low, c'est-à-dire que tu vas vraiment redescendre dans le classement si tu perds contre quelqu'un de plus faible ou... Ouais, il y a ça, il y a le... Si on arrête une série de victoires, si on joue contre quelqu'un qui a beat by 15, on gagne plus de points si on arrête sa série. Ah ouais, si tu casses son beat by, d'accord. Et si on est en train de mettre un beat by, pareil, ouais, on gagne plus. Le beat by te donne plus de points. Ouais. Oh, là, du coup, il y a 3 niveaux, il y a bronze, argent et or. Or, c'est à partir de 50 victoires d'affilée. Donc, voilà. Et du coup, quand on a ce statut, on gagne plus de points à la fin de chaque match. Et la petite couronne, ça veut dire que t'es en mode t'es en train de gagner là, il est une petite couronne juste en dessous là. Ouais, c'est victoire, ça, c'est que j'ai une victoire. Je commence la série en fait. Je commence la série de victoire, d'accord. Oh, voilà, t'as mis un contre là. Ouais, c'est contre. Trop. Parce qu'elle a trop contré. La base, de l'eau, hop, esquive est bonne. Et derrière, voilà, bourré la garde. Ouais, bourré la garde direct. Juste derrière ça. Et stylé Diego. Ouais. Oh là, joli! D'après un dropkick vénère, ouais. C'est bien rendu par le crush. Latinage, attention. Le comeback, Ah, oh là, il était vraiment super dans ça. Ouais, j'aurais mis tous les deux. Là-dedans, là, c'était. Tellement mis la super. Bah non, justement, t'aurais chopé, t'aurais pas les compteurs. Ah, tu perdais, tu penses? Ah, c'était un lot. Ah, là, oui, la chope. Oh, les super, c'est vrai. Les lots et la chope, ça, c'est bien quand même. Tu peux pas balancer les yeux fermés. Ça comme mix c'est compliqué. Et derrière, c'est toi qui mets super. Hey. Oh la barre que ça a retiré. Ça fait mal. Là c'était full garantie ce que t'as fait, on est d'accord. Elle aurait pu contrer ou pas au break hold voilà. Après le petit muret là, il y avait un mind game. Ouais. Comme il chope comme un singe. Comme un gros. Tellement partout que c'est difficile là. On soit elle aussi en position. Des fois c'est compliqué quand le mec il joue pas. On va dire normalement.
Quand tu joues pas normalement. C'est la base, j'ai entendu ça sur tous les jeux de combat 3D. Hein. J'arrive pas, le mec, il joue pas normalement. C'est chelou. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des coups qui sont inutiles là. C'est quoi? C'est dans le frame. Quand c'est comme ça, tu mokubinises. Et tu as jamais tort. Tu laisses perdre. Oh, joli. Contre encore. Il attend, il est patient. Il est dans ta tête. Finalement, qu'il va mettre chop. Et là, il a tapé. T'as voulu choper une deuxième fois? Non, non, j'ai. C'est garanti ça, non? C'est garanti. 2-2, hein. Vous pouvez contrer. C'est tendu. Hein. Ouais. Veut terminer vers une victoire, on le sait. Et là, il a, c'est pour lui, c'est pour lui. Ah, le Wish Punish un poil trop tard là-dessus. Ça se déplace en crapaud. Ça sent la terreur là, chez Là, ça choque aussi. Oh, il y a du joli. Oh, joli. Le combo, elle connaît. Il connaît, hein. Un brise garde, ça c'est une grosse garantie, il faut le mettre au lit. Là normalement t'as chopé. Il va lancer super. Il balance un super. Pif pif pif. Oh là là, C'était tendu, hein. Ouais, c'était tendu. Il était tendu. La peur de la win. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs. On va revenir sur le plateau. Merci beaucoup pour toute cette présentation de Dead or Alive. Si ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de vous accueillir. Vous l'avez compris, Dead or Alive 6 est disponible dès à présent et vous avez toutes les armes pour bien commencer le jeu. Comme vous voyez, n'hésitez pas à utiliser le tuto du jeu qui est très bon si vous voulez vous y mettre. Si vous connaissez déjà la série Dead or Alive, vous allez avoir des points de repère évidemment dans ce jeu immédiatement. Et vous pourrez, bien entendu, eh bien, développer ce nouveau système avec la barre de super qui eh bien, offre visiblement quelques petites divinités. Ouh là là, on a quelque chose sur les bras. Vous avez raté quelque chose d'assez goûtu. C'est goûtu. Il y a des ultis qui sont... comment on dit comme l'émission. Ils sont core value. C'est ça. Toujours, toujours. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci Genius. Merci à Lucas. Merci beaucoup Impact. Merci. On se retrouve, eh bien, moi, lundi matin pour la suite de la JVTV. Et sinon, jeudi prochain pour un nouveau Meurs pas sans ton pif. Bisous à tous et très bonne suite des programmes sur la JVTV. Ciao, bye bye. Ciao. Peggy 16.当たり前だ。なんだてめえ。守るものがあるだけだ。逃げるなら今のうちよ。本気でかかってこいよ。